الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها من فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم. الله لا ينورك سيدي. صدق الله العظيم. شكرا سي عزيزي على القراءة العطيرة من القرآن الكريم.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. L'association Nour Khair peut être la bienvenue et vous demande ce soir de mettre de côté vos a priori, de vous demande de vous concentrer, de vous demande uniquement d'écouter ce que va vous dire notre conférencier. Bonsoir, c'est Slimane. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Très heureux ce soir de vous recevoir. À chaque fois, c'est un plaisir immense de pouvoir partager avec vous les mots, les préceptes. Avec vous, les mots ont un sens et un poids. C'est pour cela que j'ai un petit peu alerté le public pour qu'il se concentre, parce que chaque mot a son importance. Et vous avez en fait... Vous allez nous, on va partir avec vous, participer avec vous à un départ pour arriver à une fin de course. Et on a besoin d'être concentré et de pouvoir mettre de côté ses a priori et d'essayer de comprendre. Le titre ce soir est un titre extrêmement important. Pourquoi se rapprocher de Dieu et comment se rapprocher de Dieu? Grande question. Je pense que toute personne sur Terre se pose ce genre de questions. Et ce soir, vous avez la lourde tâche de pouvoir nous éclairer, nous guider, que Dieu accepte cet effort de votre part et que Dieu nous donne la quiétude dans nos cœurs. Pour les gens qui connaissent pas, je vous en prie, pour les gens qui connaissent pas notre conférencier, Monsieur Slimane Rizqi est un monsieur qui est professeur, conférencier, spécialiste de l'œuvre de René Guénon et du soufisme, traducteur et auteur. On l'a reçu, donc, comme je vous ai dit, deux fois de suite en plein Ramadan. Il a une chaîne YouTube aussi, vous pouvez retrouver ses conférences. Et c'est un monsieur qui parle avec son cœur, qui parle au-delà du savoir. Il parle avec son cœur et avec son expérience. Et l'intérêt dans tout ça, c'est de pouvoir se faire son idée. L'association Nour Khair organise des conférences. On essaie un petit peu de varier les participants, les conférenciers, les thèmes, toujours pour s'ouvrir, ouvrir son cœur, pour comprendre. Parce que si on ne comprend pas, et on ne peut pas passer à l'action. Donc, je vais pas un petit peu parler à la place du conférencier. Je vous donne directement la parole, Slimane. Et j'espère que Dieu vous assistera dans vos paroles. À la barakatillah. Merci beaucoup. C'est très gentil. Cette première précision, elle est importante, effectivement. Que l'on aille de l'imam Ali à Abu Hamid al-Ghazali, à Al-Junaïd, à Ibn Arabi, à René Guénon, Cheikh Abdel Wahid Yahya, on retrouve toujours cette même consigne. C'est ce qui est important est ce qui est dit et non pas qui le dit. C'est très important parce que ça permet de désindividualiser le propos et de considérer qu'un propos est vrai par lui-même et non pas en fonction de la personne qui le dit. Et c'est une chose qui m'est très importante à préciser parce qu'en fait, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai ce soir, dans le sens où, quand on parle de pourquoi et comment se rapprocher de Dieu, d'Allah, en réalité, on est dans les questions fondamentales. Et le pourquoi peut se résumer à « la ilaha illallah », le comment à Muhammad Rasulullah, qui est le modèle de l'être réalisé, qui donc a fait un chemin de vie, un cheminement qui l'a mené à Allah. Alors, dans ces cheminements, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, s'effaçait devant ce qu'il transmettait. Lui était un support, et ce qu'il transmettait était divin. Alors que lui précisait en disant « moi je suis humain, ana basharun mithlukum ». Par contre, ce que je vous transmets, yuha ilayya, ce que je vous transmets est une révélation qui est de nature divine. Et cette nature divine, le Coran lui-même nous invite à en avoir une approche avant tout scientifique, c'est-à-dire par le biais de la science, par le biais de facultés qu'il nous a données. Donc, l'ouïe, la vue, as-samha, wal-absara, wal-af'ida. Et donc, l'af'ida qui est un pluriel et qui est finalement ces différentes couches qu'on va appeler les cœurs, mais qui en réalité sont des facultés de saisie, des facultés cognitives, des facultés de connaissance.
mais on reviendra sur la question. Or, ces facultés, on les a tous, et l'important est de saisir un propos en lui-même et non pas qui le dit. Donc, une chose aujourd'hui va être vraie, non pas parce que je la dis, ou ne va pas être fausse parce que je la dis. Il faut savoir dépasser ma propre personnalité, comme René Guénon le faisait dans ses écrits, en disant « mais René Guénon ne nous intéresse pas du tout ». Il disait ça de lui-même. C'est-à-dire qu'en tant qu'individualité, il disait « en soi, il n'y a pas d'importance. L'individualité en tant que telle, elle n'a pas d'importance. C'est de quoi sommes-nous porteurs ? Que dit-on ? » Quand le Coran nous dit « afala tasma'un », c'est « écouter ce qui est dit ». C'est que même au-delà de la source, qui est divine en l'occurrence, c'est écouter. En vous, il y a un intellect, il y a des facultés qui vous permettent d'entendre, de comprendre, de savoir si c'est vrai ou faux. Or, c'est par là que passe justement le rapport que l'on peut avoir à la vérité, à la voix, au divin, au Coran, entre nous. C'est par cette fonction-là qui est en nous et non pas à l'extérieur de nous. Au moment où je dis une chose est vraie parce qu'un tel l'a dite, en soi, le débat est faussé puisque mon repère, il est extérieur et il n'est pas en moi. Mais bon, pour revenir au thème de ce soir, et on y était, mais je le développerai dans le comment, on a pourquoi et comment. Et en réalité, ça nous rapproche à une question plus vaste encore. C'est pourquoi vit-on et comment doit-on vivre ? Puisque quand on considère cette notion de se rapprocher d'Allah, encore une fois, c'est des mots, mais qui méritent compréhension. Et en islam, depuis l'ère des compagnons déjà, puis des tabi'in et à chaque génération, où on a eu la chance d'avoir à chaque génération des savants, des hommes de Dieu, des ulamas, des shuyukh, des sages, qui nous ont expliqué, qui nous ont éclairé sur cette voie et qui nous ont transmis un héritage tel qu'on l'a aujourd'hui. Or, pourtant, il y a eu beaucoup de différences, de divergences, etc. Tout simplement parce que la source première de l'islam, qui est le Coran, est un verbe prononcé en une langue sacrée qui est l'arabe et dont la nature première est la polysémie, c'est-à-dire qu'un mot peut recouvrir une multitude de sens et qu'ils ne soient pas nécessairement faux les uns les autres, ils peuvent se complémenter les uns les autres, ils peuvent être vrais les uns les autres selon les points de vue qui sont les leurs, ils peuvent être aussi hiérarchisés dans des vérités plus hautes que d'autres, mais en tout cas c'est un texte qui recouvre une polysémie très riche. Donc, quand on dit se rapprocher, rien que les termes, si on étudiait déjà les termes, ça nous poserait beaucoup de questions. Se rapprocher, est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, est-ce que Allah peut être loin ou proche ? Donc, ça veut dire, est-ce qu'Allah peut être localisé ou pas ? Ce qui déjà est tout un débat qui, dans la dogmatique musulmane, a été fruit d'énormément de polémiques et de discours. On a ensuite se rapprocher d'Allah. Mais qu'entend-on quand on dit se rapprocher d'Allah ? Allah, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est comme réalité ? Que peut-on lui donner comme qualificatif ? Parce que pour nous, humains, étant habitués à vivre dans un monde formel où les choses sont définies, si je dis « je me rapproche de la porte, je me rapproche de la fenêtre, je me rapproche de telle personne, je me sens proche d'elle », ce qui peut être même pas une proximité physique, mais une proximité d'affinité, parce que je me sens bien, ou qu'elle me fait du bien, ou qu'elle m'apprend des choses, ou qu'elle me protège, etc. On est proche de nos membres familiaux, de nos proches, d'ailleurs, on les appelle nos proches. Être proche d'Allah, ça veut dire quoi ? Si je ne sais pas ce qu'est Allah, comment puis-je être proche de quelque chose que je ne connais pas ? Donc là encore, on entrera dans une définition. Allah en tant qu'essence infinie, ou Allah en tant qu'attribut, en tant qu'il s'est autodéterminé. De quoi puis-je être proche ? Ensuite, le comment. Le comment nous renvoie à la vie du prophète. Et quand on parle de la vie du prophète,
En arabe, quand on dit sira nabawiya, le mot sira signifie chemin, voie. Sayara, caravane, un mode de déplacement, sayara, voiture, etc. Sira, c'est un voyage. Notre vie est un voyage. Donc en soi, notre vie est le contenant, le lieu dans lequel on va évoluer d'étape en étape, d'époque en époque de notre vie, pour se rapprocher d'Allah. Mais que veut dire se rapprocher d'Allah? C'est se rapprocher de ses attributs majeurs. En tant qu'essence, Allah est infini. Donc on ne peut ni s'approcher ni s'éloigner. Tout est lui, tout est en lui. Par contre, c'est de ses attributs dont on va s'approcher. À quel moment est-on proche d'Allah? Au moment où on est en concordance avec un de ses attributs. Et quand s'éloigne-t-on? Au moment où nous sommes en discordance avec un de ses attributs. Exemple, Allah est la vérité, ou al-haq. La religion qui nous a transmise par le biais du prophète est dinul haq. Donc au moment où on est sur un chemin de vérité, on est en islam, puisque c'est din al-haq. Et au moment où on est sur cette voie, on se rapproche de la vérité, donc on se rapproche d'Allah. Alors qu'à son inverse, le mensonge, l'erreur, le batil, qui est dans le Coran l'inverse d'al-haq, zahar al-haq, wa zahar al-batil, là on s'éloigne d'Allah. Donc, se rapprocher d'Allah, pourquoi? Pourquoi et comment? Pourquoi? Parce qu'en réalité, les attributs divins sont ce qui nous constituent. Nous tous, autant que nous sommes, nous avons le sens de la divinité en nous. On aime les attributs divins et on n'aime pas ce qui n'est pas divin. Je parlais de la vérité. Je peux parler d'un autre attribut, el-adl, la justice. C'est inscrit en nous ce sens de la justice parce qu'il est connexe à celui de la vérité et qu'il est celui de la cohérence, donc de l'unité. Là où il y a incohérence, il y a deux, et là où il y a cohérence, il y a un. Donc on a besoin du un. La notion de la justice, elle est inscrite en nous au point où, même quand on assiste dans une cour de justice, par exemple, au jugement d'un délinquant, quelqu'un a commis un acte d'injustice. Et disons que son acte d'injustice mérite 6 mois de prison. Il va être jugé. Si le juge lui met 2 ans de prison, lui qui est un délinquant va crier à l'injustice en disant « c'est pas juste, ça ne mérite pas 2 ans de prison ». Donc en fait, même lui qui fait un acte d'injustice a en lui inscrit le sens de la justice. Ce sens de la justice nous habite. Le sens de la vérité nous habite. La proximité d'Allah dans le Coran est inscrite et décrite comme Ad-Dar al-Salam, la demeure de la paix. Or, la paix est également inscrite en nous. Qui préfère la guerre à la paix? Qui préfère les problèmes à la tranquillité? Personne. C'est inscrit en nous. Donc, pourquoi se rapprocher d'Allah? Parce que c'est ce qui nous constitue. C'est que là se trouve la clé de bonheur. Et c'est pour ça que nous avons été créés et mis sur cette terre. Nous sommes sur cette terre pour un laps de temps qui est très très court. Le Coran nous dit « sa'atin min nahar », c'est l'équivalent d'une heure dans un jour. C'est très court. Et en fait, on est là pour se déterminer. On est là pour trouver quelque chose qui nous manquait dans nos cycles précédents. De la même manière qu'on a une vie future, al-akhirah, on a eu aussi des cycles avant celui-là. Et on arrive tous avec ses prédispositions et on arrive avec quelque chose d'inscrit en nous. Le Cheikh Akbar appelait ça « el-istiadad », c'est-à-dire nos prédispositions naturelles, c'est ce qui en nous est inné. Or, le sens de la justice et de la vérité, le sens de la paix, le sens du bonheur, le sens de l'équilibre et de l'harmonie, il est en nous. Il est en nous. Mais nous sommes le contenant de tout. Donc en nous se trouve Ahsani Taqwim, ce qui est le plus sublime, ou Asfal Asafilin, ce qui est le plus vil. Et nous, nous sommes au milieu de tout ça. Et on subit les influences qui viennent d'en haut comme les influences qui viennent d'en bas. Or, pour trouver ce bonheur, il y a un cheminement qui est l'équivalent également de nos propres vies à nous.
De la même manière que l'on a le prophète, sa voix est un cheminement, sira. La loi islamique, avant d'être une loi, elle est une voie, sharia. Sharia, c'est une voie étymologiquement. Ce que l'on doit suivre et ce à quoi nous appelle le Coran, le minhaj, c'est encore une fois une notion de voie et de voyage. Dans ce Coran, tout est décrit sous cette notion-là, sous la notion de voyage. Le voyage, c'est notre vie. Donc, que doit-on atteindre en cette vie? Et c'est la réponse au pourquoi. Pourquoi je suis? Pourquoi je vis sur cette terre? Pourquoi un jour je vais mourir? Parce que je ne suis venu ici que pour chercher quelque chose, mais ma demeure n'est pas celle-ci. Donc, de même qu'il y a eu des cycles avant et qui sont préparatoires à notre destinée finale, c'est-à-dire à notre situation dans l'un des trois plans. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ comme on dit la sourate Al-Waqi'a, وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الدَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَسْكِينَةُ الْجَحِيمِ. Et juste avant, il dit وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ. Vers quoi peut-on être dirigé? C'est-à-dire que quand l'homme arrive à la mort, c'est le passage dont je viens de citer, وَإِذَا بَرَعَتِ الْحُلْقُومِ, lorsque l'agonie arrive. Alors à ce moment-là, l'homme se voit proposer trois solutions. Al-Muqarrabin, les proches d'Allah. Sahab al-Yamin, les gens de la droite, les paradis. Sahab al-Mash'ama, Al-Mukaddibin ad-Dallin, les enfers. En fait, voilà les trois plans. Or là, on est en train de se déterminer. Or, pourquoi sommes-nous sur cette terre? Pour nous déterminer. Pourquoi se rapprocher d'Allah? Parce que c'est là que se situe le bonheur. Parce que qu'est-ce qui en nous est cause de tout malheur en cette vie? C'est notre éloignement d'Allah. C'est quand on ne voit pas Allah. Dans la vérité, on voit Allah. Dans le mensonge, on ne voit pas Allah. Quand on voit de la justice, on voit Allah. Quand on ne voit pas de justice, on ne voit pas Allah. Quand on voit de la beauté, on voit Allah. Quand on voit de l'horreur, on ne voit pas Allah. Quand on voit de l'union et de la concorde, on voit Allah. Quand on voit de la guerre, du désaccord et de la polémique, de la violence, on ne voit pas Allah. Or, on est heureux quand on voit Allah, dans le même rapport que l'on a à nos concitoyens humains, quand on est en rapport avec un autre être humain. À quel moment se sent-on bien et à quel moment se sent-on mal? Quand on a affaire à quelqu'un qui est porteur des attributs divins, et donc de la rahma, du lutf, du qurb, Allahu al-qarib, inni qarib un mujib da'wat al-da'i idha da'ani. La proximité. Quand on y voit de la fidélité, quand on y voit, à l'inverse, les attributs qui ne sont pas divins, quand on y voit le mensonge, quand on y voit quelqu'un qui ne tient pas ses engagements, quelqu'un qui ne remplit pas ses serments, quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Sayyidina Muhammad kan sadiqul wa'd al-amin, amin. On aime les gens qui sont dignes de confiance, qui sont fidèles. Ceux qui n'ont pas cette qualité de amin, ils nous deviennent vite insupportables. En réalité, qu'est-ce qu'on aime? Ce n'est pas la personne en tant que telle. Comme on le disait au début, ce qui est important, c'est ce qui est dit, ce n'est pas qui le dit. Parce que ce qu'on aime, c'est ce qui est dit. Ce qui est vrai, c'est ce qui est dit. Ce n'est pas la personne en tant que telle. Tous autant que nous sommes, nous avons une tête, deux bras, deux jambes. Nous sommes faits de différents systèmes, système sanguin, nerveux, osseux, etc. On n'est rien de plus. Donc à partir de là, c'est de quoi sommes-nous porteurs? L'homme, quand il porte l'amana, wa hamalaha al-insan, dans le verset sur l'amana, inna a'radna l'amanati ala samawati wal ardi wal jibal, etc. Les cieux, les montagnes, la terre n'ont pas voulu l'assumer. Wa hamalaha al-insan. Hamalaha, porteur. L'homme, il est porteur. Porteur de quoi? S'il est porteur de l'amana, du dépôt divin, il est à l'image de ce dépôt, il est amin. S'il n'est pas porteur de ce dépôt, il n'est pas Amin. Or, automatiquement, quelqu'un qui n'est pas Amin, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. C'est quelqu'un qui ne tient pas ses serments. C'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. C'est quelqu'un qui n'est pas vertical, mustaqim. C'est quelqu'un qui n'a pas de rectitude dans sa vie et de rigueur. C'est quelqu'un qui n'assume pas. Eh bien, avec ces gens-là, on ne se sent pas bien. Donc, en réalité, avec qui et avec quoi se sent-on bien? Ce n'est pas la personne, est-ce qu'il est blond, brun, grand, petit, homme, femme, vieux, riche, pauvre.
En soi, ça n'a aucune importance. Aucune importance. C'est de quoi est-il porteur? Or, tout le travail, quand on en vient au comment, puisque le comment est la voie mohammedienne, l'akhlaq al-mohammadiyya, c'est de ça dont on doit être porteur. Au moment où on n'est pas porteur de ça, on ne s'aime pas les uns les autres. Or, aujourd'hui, on est dans un monde en guerre parce qu'on n'est pas porteur de tout ça. Nous, les musulmans, aujourd'hui, pour beaucoup, et pas que nous, hein, je veux dire, on est quasiment tous dans une même barque aujourd'hui, l'être humain de manière générale. C'est que le courant de la vie aujourd'hui a emporté avec elle beaucoup de valeurs et elle a laissé derrière beaucoup de gens qui aujourd'hui ne se conforment plus à l'islam. L'islam aujourd'hui est quelque chose dont on parle beaucoup. Beaucoup de gens en parlent, mais combien l'appliquent ? Or, le Coran, Allah va faire ce reproche. Ya ayyuhal ladina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Pourquoi vous dites que vous ne faites pas ? Vous ne le mettez pas en application. C'est tout notre problème, c'est la mise en application. Au moment où on rentre au paradis, revenons par exemple sur la Sourate al-Waqi'a, où au début, il est aussi question des trois catégories d'êtres humains, des trois plans et des trois structures, la structure ternaire de l'islam, où on a encore une fois Fakuntum azwajan thalata, fa ashabul maymanati ma ashabul maymana, les gens de la droite, que sont les gens de la droite. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ. Et les proches d'Allah, qui précèdent tout le monde, qui comprennent avant tout le monde, qui comprennent dans les principes avant de comprendre dans les applications. Eh bien, ces gens-là, ensuite, les Muqarrabun, il est parlé de leur entrée au paradis, de ce qu'ils y trouveront. À plusieurs reprises dans le Coran, on va trouver ces descriptions. Et à la fin de la description, comment on dit « وَحُورٌ عَيْنٌ كَمْثَلِ لُلُّ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » Il ne dit pas « جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَقُولُونَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْعَمَلُ » Ce sont nos actes qui nous déterminent. C'est, oui, tout à fait, on me rappelle un autre verset qui dit « Lima taqalu ma la taf'aloun, kabura maqtan indallah yan taqulu ma la taf'aloun. » Je ne sais pas si c'est « ta'amaloun », je me sens que c'est « taf'aloun ». En tout cas, « al-amal ». « Al-amal » est ce par quoi Allah va nous juger. Il y a les actes du corps et il y a les actes du cœur. Donc, dans ce « comment », avoir accès au message divin, qui lui nous exprime et le pourquoi et le comment. C'est un message, comme je le disais, où les musulmans, depuis la nuit des temps et depuis les débuts de l'islam, sont en désaccord sur beaucoup de choses. Or, pour pénétrer, et j'utilise ce terme à bon escient, pour pénétrer le texte divin et aller chercher sa réelle signification, c'est-à-dire qu'on a des mots, mais sommes-nous tous d'accord dessus. On lit le même Coran. Mais le comprend-on tous de la même manière? Or, comment le comprendre? Là, encore une fois, le Coran va nous donner des clés. Il nous dit que entre réciter le Coran et lire le Coran, il y a une différence. Ce qui est demandé au prophète, salam, c'est de lire le Coran. Iqra. Iqra. Or, iqra, c'est plus qu'une récitation. C'est une compréhension. De la même manière que le hadith nous dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama ». Il ne nous dit pas « man tahaffadha al-Qur'an ». Apprendre, ça c'est la lettre, c'est le texte que l'on apprend. Mais apprendre n'est aucunement une garantie de comprendre. Or, comprendre est ce qui nous est enjoint par ce hadith et, comme vous le savez comme moi, comprendre est toujours supérieur à apprendre. Et c'est pour ça qu'on a eu dans l'histoire de la géographie musulmane de nombreux maîtres spirituels qui étaient illettrés et dont les disciples étaient délettrés. Parce que la compréhension est supérieure au fait d'apprendre. Et bien de la même manière, lire est supérieur à réciter. Or, lire le Coran et le comprendre, puisque là est le but. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
Là, on nous donne l'injonction de savoir ce que signifie la ilaha illallah, puisque c'est ça le pourquoi. C'est ça notre raison d'être. C'est de comprendre l'unicité du principe divin, le tawhid. C'est de comprendre qu'il n'y a qu'une seule réalité et que c'est au quotidien, à chaque instant, que nous devons nous-mêmes être un pour être en résonance avec l'unité divine. Or, le Coran va nous donner une voie. Il y a des catégories qu'il condamne et des actes qu'il condamne, que ce soit des actes du corps ou des actes intérieurs, ce qu'on appelle « a'mal al-quloub », et donc qui sont des actes avant tout intellectuels, car le cœur est le siège de l'intellect. Le Coran nous dit « walahum quloubun la yaqilun nabi »« walahum quloubun la yafqahun nabi » Le cœur est une faculté intellective, est une possibilité d'appréhender une chose, de connaître une chose. C'est ce qui établit le rapport entre nous et autre que nous, ou entre nous et nous-mêmes, apprendre à se connaître soi-même. Et ces modalités sont multiples. Cependant, elles sont hiérarchiques. C'est qu'on a des facultés par les organes de connaissance extérieure, que sont les cinq sens, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue, etc. Et on a des facultés intérieures qui vont être la méditation, la mémorisation, l'imagination, qui vont être la cognition, qui vont être la connaissance, qui vont être la raison, la rationalisation, l'analyse, la capacité de synthèse, qui va être l'intuition, etc., etc. Et pour ça, on a différentes facultés intérieures que le Coran appelle Afida, et sur lesquelles le Hakim al-Tirmidhi a fait un écrit qui s'appelle Al-Farq, ma bayn al-Sadr, wal-Fu'ed, wal-Qalb, wal-Lub. Et tout ça, ce sont Ulul al-Bab, c'est une catégorie qui arrive à avoir un rapport de connaissance à Allah par une faculté qui est Al-Lub. Al-Lub, il est dans le Fu'ed, et le Fu'ed, il est dans le cœur. Donc c'est l'intérieur de l'intérieur du cœur. Donc c'est par ces facultés que l'on connaît. Or, pour que ces facultés fonctionnent, il y a un impératif qui est la purification de l'être, du cœur, et donc de ces facultés. Il faut les purifier. De la même manière que quand on fait salat, on fait d'abord le wudu. Et là, on a tout un ensemble de conditions. Le wudu, c'est la purification. Donc, il faut une purification avant de se mettre en lien avec Allah. Yani, salat, sila, c'est un lien. Lorsqu'on fait une salat, beaucoup plus que des mouvements, c'est être en lien avec Allah, direct. Or, on ne peut pas l'être sans avoir fait une ablution avant, sans avoir purifié et sans avoir déterminé la qibla, c'est-à-dire l'orientation où se trouve ma possibilité d'être en lien. Donc, quand on repasse ça dans la vie de l'être humain, le pourquoi, c'est notre qibla. C'est vers où je me dirige. Dans tout acte, la première obligation, c'est l'intention, niya. Or, ma niya, c'est la détermination de mon but. J'ai l'intention de quoi? J'ai l'intention de quoi? De faire la prière? Oui, mais pourquoi tu fais la prière? À chaque fois, il y a un pourquoi. J'ai l'intention, nawaitu salat al-aisha. J'ai l'intention de faire salat al-aisha. Naam, limada, pourquoi? Pourquoi tu veux faire salat al-aisha? Pourquoi? Pour qu'Allah ne me punisse pas, c'est une intention. Pour espérer aller au paradis, c'est une intention. Pour avoir bonne conscience, c'est une intention. C'est pour que les gens me voient et ils se disent ouais, « c'est quelqu'un de bien, lui, il fait ses prières à l'heure, etc. » C'est une intention. Il y a beaucoup d'intentions. En fait, le travail de l'intention est important, c'est ça notre qibla. C'est pourquoi. « Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa » Il nous a été ordonné d'adorer Allah de la façon la plus pure, la plus désintéressée. Or ça doit se ressentir dans notre vie au quotidien. Allahu al-Haq, il est la vérité. Donc au moment où j'adore Allah, j'adore la vérité. Donc au moment où je fais une prosternation, je ne la fais que devant la vérité. Au moment où je me prosterne devant autre chose que la vérité dans mon quotidien, je n'adore plus Allah. J'adore
ce dont je viens de me prosterner devant. Or, le comment, aujourd'hui, dans nos vies, dans nos sociétés, on en parlait un petit peu avant, les jours passés, de revenir sur ce qui entache notre islam, sur ce qui entache nos sociétés, sur ce qui nous est difficile à vivre aujourd'hui. C'est tout simplement que nous avons un islam théorique, pour beaucoup, mais peu pratique. Le mensonge aujourd'hui ne fait plus peur. Il y a même des sociétés musulmanes, j'en citerai aucune en particulière, parce qu'en soi je ne vise rien ni personne, je vise avant tout des comportements, mais je pense que vous les connaissez aussi bien que moi. On a des sociétés musulmanes aujourd'hui où la corruption est devenue une chose tellement normale qu'on n'arrive même plus à se dire qu'entre le fait d'aller faire une joumoura, d'aller faire une mosquée ou de jeûner et de toucher des pots de vin, qu'il y ait un paradoxe, qu'il y ait une incohérence et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On en est arrivé au point aujourd'hui où c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais faire la salade, je sors et je prends mon enveloppe. C'est qu'on est loin, on est loin, on est très, très, très loin. On est très, très loin. On ne pourra jamais échapper à l'ensemble des vices qui entachent l'ego, l'âme basse, l'âme vile. La neuf, c'est l'ammaratu bissou. On ne peut pas s'en débarrasser un par un parce qu'en fait, il y en a trop. Et rien que pour se débarrasser d'un seul, il nous faudrait des mois, voire des années. La jalousie, la cupidité, l'avidité, le mensonge, la duplicité, etc., etc. Donc en soi, comme disait René Guénon, il faut aller au principe, venez au principe et tout vous sera donné. Le prophète, il disait, priez sur moi une fois, Allah prie sur vous 10 fois. C'est le rapport du 1 au 10, c'est le rapport du 1 à la multiplicité. Allez au 1 et tout le reste vous sera donné. C'est-à-dire qu'au lieu de vous occuper de vos faiblesses, qui avant tout sont aussi humaines, insan khuliqa da'if, nous sommes des êtres faibles, nous sommes des êtres instables, nous sommes des êtres injustes, nous sommes des êtres ignorants. Ça, c'est l'être de la chute. L'être adamique, quand il chute, il a ses défauts. Donc, ce n'est pas en les combattant un par un qu'on arrivera à les combattre. C'est en allant vers le 1. C'est-à-dire, occupez-vous d'Allah et Allah s'occupera de votre vie. Allah s'occupera du reste. C'est-à-dire que même techniquement, matériellement, au moment où vous vous occupez d'Allah, eh bien, pendant ce temps-là, vous ne vous occupez pas d'autre chose. Or, on peut s'occuper d'Allah en étant autre qu'à la mosquée, quand on est honnête et correct dans son travail, quand on est proche de sa famille et qu'on assume ses devoirs familiaux, quand on fait ses 5 prières, que l'on jeûne, quand on fait du dhikr. Le Coran nous dit « Fadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun » Faites le dhikr d'Allah, faites le dhikr d'Allah. « Fadhkurullaha kathira » Notre frère tout à l'heure qui a récité le Coran à la suite du verset de la lumière, Buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fi asmu. Faites le dhikr d'Allah. Faites le dhikr d'Allah. Au moment où vous faites le dhikr, vous ne faites pas de mal. Et au moment où vous faites le dhikr, là, vous n'êtes ni menteur, ni corrompu, ni cupide, ni avide, ni jaloux, ni vicieux, ni rien. Vous êtes avec Allah. Occupez-vous du un, le reste disparaîtra. De la même manière, on ne peut pas être avec Allah et avec le mensonge en même temps. On ne peut pas regarder à droite et à gauche en même temps. Regardez à droite, tout ce qui se passe à gauche, vous ne le verrez même plus. Vous ne le verrez même plus. Restez avec Allah. Le Coran nous donne une méthode particulière que va reprendre Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, puisqu'il demande à ce que sa parole soit portée pour les gens derniers, l'akhirin. Non, l'akhirin, c'est nous. C'est les gens de l'âge de fer, c'est cycliquement le dernier âge de ce cycle humain, de ce cycle adamique. Or, quand il demande à Allah, « Arini kayfa tuhyi al-mauta », encore une fois, ce n'est pas apprendre à la lettre. On n'a pas, dans l'histoire d'Ibrahim, on ne le voit pas se balader dans des cimetières pour redonner vie à des morts.
Or, que veut dire redonner vie à des morts? C'est redonner vie au cœur. C'est avoir un cœur dans lequel il y a le dhikr d'Allah. C'est un cœur qui se conforme à la vérité. C'est un cœur qui se conforme au prophète. C'est un cœur qui aime. C'est un cœur qui sait aimer sincèrement. C'est un cœur qui ne fait pas pour le qu'en dira-t-on. C'est un cœur qui fait pour la vérité, que ça plaise ou pas. C'est un cœur qui n'a pas peur de rester seul. C'est un cœur qui est vertical, comme le dit là quelqu'un dans les commentaires. « Wastakhim kama umirs. Faman sha aminkum an yastakhim. Qum wa andir. » Être vertical, assumer. Être droit dans ses chaussures, comme on dit. C'est-à-dire ne pas faire une dire une chose et faire son inverse. C'est tenir ses engagements. C'est avoir une parole. C'est ne pas nuire à son prochain. Donc tout ça, ça peut se traduire dans le quotidien. C'est dans le quotidien, le quotidien, le quotidien. C'est savoir être juste. Et c'est comme ça que l'on arrive à se rapprocher d'Allah, puisqu'en étant comme ça, on entre en soi les attributs divins. Et au moment où on a les attributs divins en nous, on s'occupe d'Allah et on n'aime qu'une chose, être avec Allah et les gens d'Allah. Tout, comme le disait Abu Madian dans une qasida, « Kullu yaumin alqakum fadaka yaumin sa'id » Chaque jour où je vous rencontre, vous les gens de Dieu, c'est un jour de bonheur. C'est un jour heureux. Le simple fait de vous voir, en réalité, aujourd'hui, tout le monde court après l'argent parce qu'on a peur. La takhaf wa la tahzanu. Ar-razzaq huwa Allah. N'ayez pas peur. Wallahi, tous autant qu'on est avec nos peurs, on vit malgré tout dans un luxe que les rois de France n'avaient pas. On mange mieux qu'eux, on est mieux chauffé qu'eux, on a moins de problèmes qu'eux. Nous, on a peur. Le prophète, il dormait sur une paille par terre. Quand il se levait, on voyait les marques sur son côté de la paille, la serra sur laquelle il dormait. Combien de fois il disait, ça fait des jours et des jours que le feu n'a pas été allumé chez nous. Or, aujourd'hui, qui d'entre nous peut dire, ça fait des jours qu'on n'a pas mangé quelque chose de cuit? Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Wallah, il ne faut pas avoir peur. Celui qui est attaché à Allah, il n'a peur de rien. Il n'a peur que d'Allah. La yakhafuna ahadan illallah. Ils ne craignent qu'Allah. Notre bonheur, c'est nous, notre bonheur. Notre assurance, aujourd'hui, on est tous bourrés d'assurance partout. En réalité, c'est traditionnellement, religieusement, moi, islamiquement, notre assurance, c'est nous. C'est nous. Si vraiment on est frères, demain, l'un d'entre vous n'a pas une assiette à manger, on partage. Il n'a pas un toit où dormir. Dans toute maison traditionnelle, il y avait la pièce du voyageur, la pièce de l'étranger. À chaque table, il y avait l'assiette du voyageur et de l'étranger. C'est une sunna de Sayyidina Ibrahim alayhi salam que notre prophète a vivifié, que nous devons vivifier. Elle est là, notre assurance. Je vais vous raconter une histoire pour vous montrer comment on se fait avoir. C'est l'histoire d'un homme qui entend l'Adhan et qui sort de chez lui. Il se dit, je vais aller faire la prière. Puis en route, il passe et il voit quelqu'un avec une capuche bien sombre, etc. Et quand il passe, le type qui a la capuche lui dit imbécile. Et l'autre, il est étonné. Il se dit, tiens, il n'y a que moi là qui passe dans la rue, pourquoi il me traite d'imbécile? Et il se retourne, il dit, c'est à moi que vous vous adressez? Et la personne là, lui dit, oui, c'est à toi, il n'y a que toi dans la rue, à qui veux-tu que je m'adresse? Imbécile. Et il recommence. Et l'autre, il lui dit, mais pourquoi tu m'insultes? Tu me connais, moi je ne te connais pas. Il lui dit, t'es sûr que tu ne me connais pas? Tous les jours tu me maudis, et quand je suis devant toi, tu ne me reconnais pas, imbécile. Ah, il lui dit, maintenant ça suffit, tu vas arrêter de m'insulter ou ça va mal se passer. Il lui dit, ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire, espèce d'imbécile? Et il continue à l'insulter, il continue à le provoquer. Et l'autre, au final, il lui met des coups de poing, il le tape, il le jette par terre. Et puis, il lui dit, alors, t'as vu, hein, je suis plus fort que toi, hein, t'as vu, les gens de Dieu, hein, ils sont plus forts. Hein. Et puis, tout d'un coup, il l'entend rire. Et il se retourne et il lui dit, mais pourquoi tu ris? Je viens de te taper dessus, de te mettre par terre, pourquoi tu ris?
Il lui dit, parce que tu crois qu'en me mettant par terre, tu as gagné, que tu es plus fort que moi. Or, comme je te l'ai dit, tu es un imbécile. Et là, l'autre, il ne comprend plus rien du tout. Mais il lui dit, explique-toi. Il lui dit, tu sais, c'est moi le plus fort. Pourquoi? Parce que quand tu es sorti de chez toi pour aller à la mosquée et faire la prière. Or, là, en me frappant dessus et en t'occupant de moi, qu'est-ce que tu viens de faire? Retourne-toi et regarde. Eh bien, tu vas voir, les gens, ils sont en train de sortir de la mosquée, tu as raté ta prière. En fait, moi, ce que je voulais, c'était ça, c'était de faire rater ta prière. Donc, tant que tu t'occupes de moi, tu es perdant. Tu penses que tu as gagné, mais tu as perdu parce que tu t'es occupé de moi. Et c'est pour ça que Ibn Arabi disait, Zuhed, ce qu'on appelle, ce qu'on traduit malencontreusement par les ascètes, c'est plus des renonçants, etc. Il ne les considère pas comme des initiés, pourquoi? Comme des proches de Dieu. Il dit pourquoi? Parce qu'ils sont encore en train de combattre les défauts de leurs âmes. Ils sont en train de combattre leurs tentations. Ils sont en train de combattre leurs faiblesses. L'homme de Dieu, il n'a pas peur. Il ne combat rien, il sait que tout vient d'Allah. Mais il aime tellement Allah que le reste, ça ne l'intéresse pas. On pourrait lui proposer beaucoup d'argent que ça ne l'intéresse pas. C'est l'histoire, c'était Faridouddin Attar dans le Mémorial des Saints qui raconte. Et il raconte l'histoire d'un homme de Dieu qui passe et, dans la campagne à un moment donné. L'heure de la prière arrive et il veut faire ses ablutions. Et il jette un seau qui est au bord d'un pont dans l'eau pour ramener de l'eau. Et quand il remonte dedans, il y a des bijoux, il y a des diamants, il y a... Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, bah, il ne peut pas faire l'ablution avec, il les jette. Il rejette le seau et il remonte dedans, il y a de l'or. Et là, il se tourne vers le ciel et il lui dit, « Ah, Allah, je sais que tu es riche, n'tal rani. N'tal rani. Tarzuqu man tasha ubirail hisab. Tabsutu rizqa liman tasha. Je le sais, je veux simplement de l'eau pour faire mon ablution. L'eau, je vais pouvoir faire l'eau d'eau, je vais pouvoir faire la prière. Je vais pouvoir boire, je vais pouvoir... L'or, qu'est-ce que je vais en faire? J'en ai pas besoin. Le problème, il est dans les besoins. Quels sont réellement nos besoins? Là, je vois quelqu'un qui pose une question qui dit « avoir peur pour les enfants ». Pourquoi avoir peur pour les enfants? Vous croyez qu'ils sont à vous, vos enfants? Ils ne sont pas à vous. Vous, comme moi, comme nous tous, nous ne sommes que les canaux par lesquels vie a été donnée à ses enfants. Mais ils appartiennent à Allah, ils ne nous appartiennent pas. Il peut les reprendre quand il veut. On n'a pas à s'attacher plus que ça. On peut les aimer. Or, il y a un fossé énorme entre aimer et être attaché. On peut aimer nos enfants plus que tout, mais pas plus qu'Allah, son prophète et le djihad, comme reprend le verset. وَنْ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَوَوَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا أَنْ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Pas plus qu'Allah, le prophète, et le combat de cette vie. Le combat de cette vie, c'est de trouver Allah. Ce n'est pas de prendre une guerre et d'aller sur un champ de bataille. Ou, l'encre du savant est bien plus importante que le sang du martyr. C'est le djihad de l'ilm. Nos enfants sont un cadeau. Al-mal ou al-banun zinatul hayat al-dunya. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Alhamdulillah. On peut leur souhaiter que le bien, et c'est ce qu'on essaye de faire tous, les uns comme les autres. Du moins, je l'espère. Mais en soi, ils ne nous appartiennent pas. De surcroît, nos enfants, remonter ne serait-ce qu'il y a une ou deux générations. Nos enfants aujourd'hui mangent mieux qu'il y a deux générations. Ils sont habillés plus chaudement. Ils vont à l'école. Avant, l'école, c'était un luxe. Mon père, moi, n'a jamais mis les pieds dans une école de sa vie. Première fois qu'il est rentré dans une école, c'est pour une réunion de parents d'élèves quand moi, je suis rentré à l'école. Et il a 90 ans, Ouaïch, il a fait une vie, il a élevé une famille. Il faut arrêter d'avoir peur. Pourquoi est-ce qu'on tient tant à nos proches aujourd'hui? Parce qu'on ne tient pas assez à Allah. Si on avait l'amour d'Allah en nous, on relativiserait les choses. Aujourd'hui, nos enfants, on en a fait des rois. On en a fait des enfants gâtés. On en a fait des capricieux. On en a fait des gamins qui tiennent plus à leur téléphone qu'à leurs parents. Aujourd'hui, donnez votre vie pour les enfants. Vous verrez le retour. Un enfant, ça s'éduque dans la rigueur. Aujourd'hui, qui est capable de donner de la rigueur à l'éducation de son enfant? C'est les enfants qui commandent à la maison. Nos enfants,
C'est aussi des fitna. C'est une rahma d'Allah, c'est un bien d'Allah, mais c'est aussi des fitna. Rappelez-vous l'histoire dans Surat al-Kahf. Pourquoi Sayyidina al-Khidr va tuer le gosse? Parce qu'il est une fitna pour ses parents. Donc oui, bien sûr qu'on est responsable. On est responsable, on a des responsabilités, mais encore faut-il les remplir dans le cadre de la tradition. La tradition ne nous a jamais demandé de faire de nos enfants des enfants pourris, gâtés, capricieux. Il nous a demandé de les éduquer. Aujourd'hui, combien d'enfants vont à la prière avec les parents? Aujourd'hui, combien d'enfants jeûnent réellement? Aujourd'hui, combien d'enfants travaillent, sont éduqués, ils passent leur temps sur TikTok? Aujourd'hui, on a tout le poids d'une société contre nous. Aujourd'hui, chaque parent, quand il éduque son enfant, ils ont tout le poids de la société contre eux. Nous, on vit en France ici, Maroc, je ne sais pas trop ce qu'il en est, mais en France, ce que l'éducation nationale met dans la tête des enfants, c'est une monstruosité. Ce n'est plus une formation, ce n'est plus une éducation, c'est une déformation, c'est une déséducation nationale. Oui, bien sûr qu'il faut vous battre pour vos enfants. Si vous les aimez, mettez de la rigueur et éduquez-les. C'est dans la rigueur qu'on éduque. Donnez-leur un enseignement. Essayez de leur donner des connaissances. Apprenez-leur à lire, à aimer la lecture et à lire, à lire, à lire. Apprenez-leur du Coran. Apprenez-leur à aimer. Je vois même en islam aujourd'hui. Moi, je n'envoyais pas mes enfants à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'on leur apprenait toutes les bêtises qui nous viennent du neige, de là, où c'était un islam rigoriste, un islam, il ne faut pas réfléchir. Voilà, c'est comme ça, tout est bid'a, tout est haram. Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Il faut faire comme nous on dit. On passe 5 ans à nous éduquer comment faire l'ablution. Est-ce qu'il faut laver derrière le talon, du pied jusqu'aux chevilles, à quel niveau? Et l'eau, elle doit être de quelle couleur? Comment le récipient? Est-ce qu'il peut être en plastique? Est-ce que on nous a rendu idiots. Non, allez au principe, allez à ce qui est essentiel. Apprenez à vous servir, vous avez en vous un don divin qui est au-delà de toute mesure, c'est l'intellect. C'est l'intellect, c'est la lumière, An-Nur. Nur al-Muhammadi, il est en chacun de nous, c'est l'intellect. Si je ne dis pas la raison, je dis l'intellect. C'est cette faculté intuitive qui nous permet de comprendre et de saisir la vérité. C'est ça qu'Allah nous demande de purifier. Quand il parle du livre, sans tahara, on ne pénètre pas le livre, car le Coran est caché dans le livre, fi kitabin maknun. La yamassuhu. Massuhu, c'est pas simplement toucher, c'est pénétrer. Rappelez-vous du verset. Que dit Sayyidat Maryam quand on lui dit tu vas avoir un enfant? Mais aucun être humain ne m'a touché, ne m'a pénétré. La yamassasni basha. Massa. Pénétrer le livre pour aller au Coran. Le Coran est la substance intérieure. Le Coran est les significations qu'Allah a déposées dans la lettre du texte. Or, il faut une purification auparavant. Or, cette purification, c'est taharat al-qalb, c'est la purification du cœur. C'est la purification de nos peurs. C'est la purification de nos certitudes. C'est la purification de toutes les imbécilités qu'on essaye de nous rentrer dans la tête. C'est se libérer. C'est se libérer. Quand aujourd'hui, on a un islam qui veut nous empêcher de réfléchir et de penser, voire plus, qui veut nous empêcher de poser des questions. Vous connaissez tous comme moi. Moi, je suis originaire d'Algérie. L'éducation, c'était quoi? Skat. Bla. Skat. Voilà comment on a été éduqué là-bas. Voilà comment on a... Tais-toi. Tais-toi. Matraoust, femme. Cherche pas à comprendre. C'est comme ça. C'est comme ça au khlas. Matraoust. Libérez-vous. Libérez-vous. Ce n'est pas ça l'islam. Ce n'est pas ce que nous a emmené le prophète. Ce n'est pas ce que nous a emmené Allah. L'islam, comme disait l'émir Al-Qadr, l'islam a été trahi. L'islam du prophète a été trahi. Libérez-vous. L'islam vous appartient. Chacun de vous est responsable. Le jour du jugement, vous serez tout seul. Donc, soyez seul à être responsable de vos actes. Purifiez votre cœur. Purifiez-vous de cette société.
Purifiez-vous de vos peurs. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. La peur, c'est l'outil fondamental du Shaitan. Yuhawifukum. Il ne peut rien contre vous. Il ne peut quelque chose contre vous qu'au moment où vous lui prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille à Allah, pas au Shaitan. Wala tattabi'u khutuwat al-Shaytan. C'est occupez-vous d'Allah. Lisez, faites des cercles d'enseignement. Faites des cercles de dhikr. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'autorisation. Là aussi, jusque dans les milieux soufis, on nous a rempli la tête avec des bêtises. Ah, de quelle autorisation? Dernièrement, quand il y a eu le Maoulid, j'ai fait un cercle de dhikr, de salat ala nabi. Quelqu'un m'a demandé, mais avec l'autorisation de quel shir tarbiya vous allez faire la salat ala nabi? La ilaha illallah. L'autorisation d'un homme, mieux que l'autorisation de Dieu. Le Coran me dit « Yahyu alladina amanu sallu ». Machi me donne une autorisation, il me donne une injonction. « Sallu alayhi wa sallim wa sallim ». Et moi, j'ai besoin de l'autorisation d'un homme pour faire salat al-Nabi. Allahu Akbar. J'ai besoin de l'autorisation d'un homme pour faire du dhikr. Allah me dit « Fadkurullah ». Ceux qui l'aiment sont les dhakirin. « Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, leylan wa naharan, bukratan wa ashiyan ». Et j'ai besoin de l'autorisation de... Organisez-vous. Faites des cercles de dhikr. Faites de l'istighfar, faites de la salat ala nabi. Faites du la ilaha illallah. Faites du subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lisez des salats. Des dalil khairat, des salats mashishiyah, des etc. Cultivez-vous. Questionnez-vous. Invitez parmi vous des gens de connaissance, posez-leur des questions. Mettez tous ces tabous de côté. Mettez toutes vos peurs de côté. Atti'u Allah wa Rasul. Obéissez à Allah et au prophète. Le prophète, qu'est-ce qu'il disait? Quand vous trouvez un cercle de dhikr, entrez-y. Aujourd'hui, quand vous, pour aller dans un cercle de dhikr, vous montrez la patte blanche, sa carte d'identité, qu'est-ce que j'ai comme diplôme, où j'habite, ou machin, ou là. Il y a un cercle de dhikr, rentre, adhkurullah. Nous sommes frères. Qu'est-ce que ça veut dire être frère? C'est quoi? Si c'est que de la parole, ce n'est pas mon islam, ça ne vaut rien du tout. Notre islam n'est pas que du verbiage. On n'est pas là pour couper les cheveux en quatre. D'ailleurs, j'en ai plus. L'islam, ce n'est pas s'occuper de ce qui est secondaire, c'est s'occuper de ce qui est prioritaire. Or, l'imam al-Razali, déjà à son temps, quand dans Kitab al-Ilm, qui est le premier livre du Ihya ul-Din, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on a fait de nos jours du fiqh, on en a fait de la casuistique, pour savoir quelles sont les questions d'héritage, commerce avec profit, avance, ou prêt ou pas, ou dans le cas des héritages, est-ce que la tante de mon beau-frère peut hériter de mon cousin, ou etc., etc. Ou est-ce que quand on doit égorger les animaux qu'on mange, si je trappe un crocodile, je dois le sacrifier ou pas? Il dénonce déjà, il meurt en 1111, ça fait quasiment 1000 ans, il dénonce ça. Occupez-vous des questions de principe. Les questions de principe, c'est pourquoi et comment? Pourquoi? Pourquoi je suis créé? Pourquoi je vis? Pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi je dois aller à Allah? Qu'est-ce que Allah? Et comment je vais y aller? Tout à l'heure, je parlais d'une méthode propre à Sayyidina Ibrahim qui est donnée dans le Coran. Rappelez-vous quand il demande « Arini kayfa tuhyi al-mauta ». Que lui répond Allah à la tu'mine, etc. Ensuite, il lui dit « Prends quatre oiseaux, mets-les en morceaux et mets-les sur le mont de quatre montagnes différentes, disperse-les. Et toi, ensuite, appelle-les, ils viendront à toi, en tout cas, c'est rien, ils viendront à toi avec célérité. » Là, encore une fois, Allah nous donne un enseignement. Là, il nous donne le moyen. Sayyidina Ibrahim, il lui dit, « Arene Keifa ». Le Keifa, c'est le comment. C'est comment. Or, le comment, là, il nous le donne. Il dit quatre oiseaux. Pourquoi il ne dit pas 6, 8, 12, 15, quatre oiseaux? Quatre oiseaux, ce sont les quatre rites fondamentaux. As-salat, zakat, siyam ou al-hajj. Mais dans leur signification profonde. C'est les quatre moyens fondamentaux. C'est les quatre salats avec Salat al-Wusta. Sayyidina Ibrahim, c'est la Salat al-Wusta. C'est lui le cinquième vers qui les oiseaux vont venir.
comment est-ce qu'il les fait venir? C'est-à-dire qu'Allah, il est en train de nous dire ici les moyens, le comment, même s'il est mort, même si on le met en morceaux, aspire à Allah. Ad'uhum. Da'wa. Aspire. Ad'u Rabb. Cherche ton Seigneur, cherche-le de toutes tes forces. Wallahi, les moyens, ils vont venir. Combien de fois des gens qui viennent, ils me demandent, Ya Sidi Sulayman, comment trouver un cheikh? Moi, je leur dis comment trouver Allah. Trouve Allah, tu trouveras un cheikh. Fais pas l'inverse. C'est pas les hommes qui mènent à Allah, c'est Allah qui mène aux hommes. C'est pas par les hommes qu'on connaît la vérité, c'est par la vérité qu'on connaît les hommes. Cherchez Allah, tout ce dont vous aurez besoin, il va venir devant vous. Que ce soit un cheikh ou des cheikhs, ou un livre, ou une réponse, et des fois, ça va être un étranger. Il vient, il vous dit une phrase, et il vous donne la clé de votre problème. Allah peut vous parler par n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quand. Allez à Allah, cherchez à Allah. Cherchez Allah, Allah, Allah. Il est le moyen et le but. Le comment, tous nos vices, toutes nos difficultés, tous les problèmes qu'on a, on ne les résoudra jamais tant qu'on ne cherche pas Allah. Quelqu'un qui cherche Allah n'est pas avide. Quelqu'un qui est rempli de Allah ne cherche rien, n'a besoin de pas grand-chose à l'extérieur. Qu'il ait les moyens ou pas, il va manger une bonne salade avec un bout de pain, il est heureux. Quand on a Allah, on n'a pas besoin du reste. C'est Sidi Ibn Atallah qui dit « Ma faqada man wajada Allah, wa ma wajada man faqada Allah. » Qu'a trouvé celui qui a perdu Allah et qu'a perdu celui qui a trouvé Allah. Quand vous trouvez Allah, et je vous le jure, wallahi, c'est même physiologique, même la faim. Vous voulez maigrir, faites le dhikr. Vous n'aurez plus faim. Le dhikr vous remplit même physiologiquement. Faites le dhikr, vous verrez. Buvez un peu d'eau, buvez un petit plat de lentilles, buvez, prenez un fruit, prenez. Vous verrez, même la faim, vous n'aurez plus faim. La faim est un palliatif. Manger plus que de raison est un palliatif. Et tout est palliatif. Aujourd'hui, dans la guerre, dans le monde, il y a beaucoup de guerres. Pourquoi? Parce que l'homme n'a plus de djihad en lui. Si l'homme avait un djihad en lui, il n'y aurait pas de guerre à l'extérieur. S'il y a de la guerre à l'extérieur, c'est parce qu'en nous, il n'y a plus de guerre. Tout est palliatif. Pourquoi aujourd'hui, on aime nos proches de façon démesurée? Hakkaton, la grande, grande majorité d'entre nous, aiment leurs femmes, leurs enfants, leurs maris, plus qu'Allah. Quand on doit partir en djihad, on doit partir en djihad. On laisse tout derrière. Voilà, on aime. Où il est le piège ancestral, le piège millénaire de l'homme? Les hypocrites dans Surat al-Fatr, qu'est-ce qu'ils disent au prophète? Charalatna amwaluna wa ahluna. Nos biens et nos proches. Oui, ils les aiment plus qu'Allah et son prophète. Et pour nous aujourd'hui, c'est les mêmes pièges, c'est les mêmes barrières. C'est exactement les mêmes barrières. Mais si on aimait réellement Allah, qu'on le mettait à sa place, si on aimait réellement le prophète, qu'on le mettait à sa place en nous. Fikum Rasulullah. La Fadja Akum. Aujourd'hui, on essaye de nous faire croire qu'il y a des élus qui peuvent, voilà, il y a les chouyouch, machin, ou les ulama, ou les... Comment nous dit le Coran? La Fadja Akum. Koum, c'est qui? C'est vous tous. Il n'est pas venu que pour certains. Hein. Il n'y a pas que ses petits copains, puis les autres, ils s'en foutent, non? Allah, il aime tout le monde. Il est venu pour nous tous. Du plus connu au plus humble. Laqad ja'akum, Rasulullah. Allahu yad'ukum, ila daj salam. Yad'ukum, tum. Vous, tous. Vous êtes tous conviés, tous. De qui avez-vous besoin? En dehors d'Allah, vous n'avez besoin de rien. Tous les besoins de ce monde dont vous aurez besoin, il va vous les poser, il va vous les emmener. Seulement, il faut savoir quels sont nos vrais besoins et les faux besoins. Aujourd'hui, à 90%, on vit dans du faux besoin. Et pourquoi on a peur? On a peur de perdre nos faux besoins. Subhanallah al-Azim. La voix d'Allah, elle est belle. Wallahi, elle est magnifique. Tout ce dont on a besoin est en nous. Ah, c'est en nous.
Allah nous a donné des yeux, de l'oreille, il a donné la parole, il a donné le toucher, il a donné l'intellect, il a donné la raison, il a donné un cœur, il a tout donné. On a tout en nous. On a tout en nous. Allez à Allah et ayez la connaissance par vous-même. Le comment, c'est vous. Vous avez les organes du comment en vous, c'est la connaissance. Vous avez un cœur, fa in kuntum tuhibbun Allah. Aimez, vous avez un cœur, aimez Allah, aimez. Et là, vous suivrez le prophète. Et quand vous suivrez le prophète, yuhibbukum Allah, Allah va vous aimer. Soyez satisfait d'Allah, il sera satisfait de vous. Radiyan, mardiyan. Les choses sont dans nos mains. Il y a tout un action, un jeu d'action et de réaction concordante. Comme dit Allah, فَنَسَوْا اللَّهَ فَنَسَوْا مَنْ فُسَهُمْ. Ne vous plaignez pas demain si vous avez un problème avec Allah. Ça vient de vous. فَمَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ يُدِلُّهَا فَعَلَيْهَا. C'est vous qui êtes auteur de votre vie. Allah vous a mis les choses entre vos mains. Là est sa volonté. N'attendez pas qu'il la reprenne. Il vous a donné tout ce qu'il faut entre les mains pour être heureux. Sachez où se trouve le bonheur. On a cette terre, on n'est pas sur cette terre pour autre chose que de rencontrer Allah. Tu vas le rencontrer. Est-ce que vous êtes prêt à le rencontrer? Posez-vous une question dans le Ya Ayyul Walad, l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Qu'est-ce qu'il répond à son correspondant? Il lui répond. Ne t'occupe pas des futilités. Il revient justement sur le fiqh et toutes ces choses-là. Il lui dit, imagine que demain, on vient t'annoncer, il te reste une semaine à vivre. Est-ce que tes soucis, ça va être le fiqh? Est-ce que tu dois raser ou tailler ta moustache ou la barbe, est-ce qu'elle doit avoir plus de 3 cm ou... Là, je vous assure, il y a quoi? Il y a quelques jours, un ami qui est parti s'installer à l'île de la Réunion qui me disait, là-bas, il considère si ta barbe, elle fait moins de 3 cm, tu es kafir. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on a fait de l'islam de notre prophète, Habib al-Mustafa? Et donc, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si demain, on t'annonce qu'il te reste une semaine à vivre, tu vas voir où sont tes priorités. De quoi tu vas d'abord t'occuper? Parce que tu vas te dire, dans une semaine, je suis dans le face-à-face avec mon Seigneur. Là, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de rien. Dans une semaine, je suis dans une tombe. Ou d'abord, en sortant dans le cercueil, je vais quitter ma maison, mes biens, etc. On va m'emmener au cimetière, on va me mettre dans un trou de terre et on va me recouvrir. Et là, même mes proches vont partir et me laisser tout seul, ils vont rentrer chez eux. Je vais rester tout seul. Et au moment où je suis tout seul, il y a un face à face. Qu'est-ce que tu vas lui dire à ton Seigneur? Est-ce que tu as bien taillé ta moustache? Est-ce que machin? Est-ce que... Non. Qu'est-ce qu'Allah regarde en toi? Sur quoi il va te questionner? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as connu Allah? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu t'es conformé? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as aimé le prophète plus fort que tout? Est-ce que tu as bien su mettre les priorités en place? C'est ça qui va nous être demandé. C'est pas autre chose. Aujourd'hui, et je sais que je vais me faire fustiger, mais le voile. Là, pas le voile, ça y est, je l'ai fait de l'envers. Le voile, oui, est important, mais il a avant tout une symbolique. Le voile, c'est le monde, c'est les mondes. Il y en a 70 000 des voiles. Souvent, dans la tradition islamique, hommes comme femmes, on mettait 7 vêtements sur nous. Entre le turban, entre la chachia, entre les vêtements, on mettait 7 vêtements. Souvent, la femme mettait 7 vêtements aussi. Pourquoi? Parce que le 7, c'est la symbolique des voiles qui nous séparent, qui séparent l'humain du divin. Porter les voiles, c'est porter le monde. Porter les voiles, c'est être calife d'Allah. Porter les voiles, c'est assumer sa charge de calife. C'est porter le monde, c'est porter le ciel, c'est être pont entre ciel et terre. Mais les armas, si on met un bout de tissu sur la tête, on est quelqu'un de bien, et si on l'enlève, on est quelqu'un de mauvais. Quand est-ce qu'on va réfléchir un peu au-delà de ça? Débarrassez-vous de vos préjugés, débarrassez-vous du poids de la société, débarrassez-vous du camp, dira-t-on. Quand Allah, souvenez-vous, à un moment donné, il partait à une guerre, et puis il y a des musulmans qui faisaient demi-tour, qui évitaient, et il leur disait, attention, si vous apostasiez, si vous apostasiez, Allah suscitera un peuple
à votre place. Un peuple qu'il aime et un peuple qu'Allah aime. Yuhibbunahu wa yuhibbuhum. Et une de leurs caractéristiques, c'est quoi ? Ils n'ont pas peur du blâme des blâmeurs. En d'autres mots, ils se moquent complètement du candidat. C'est le dernier de leurs soucis. C'est, qu'est-ce qu'Allah va dire de moi ? Vous voulez me juger ? Jugez. Je suis ceci, je suis cela. Wallahi, c'est le dernier de mes soucis. Qu'est-ce qu'Allah pense de moi ? Ouais, ça, c'est mon souci. Allah va me juger. Allah peut me juger. Et Allah peut faire quelque chose pour moi. Lui, il peut me faire entrer au paradis et il peut me faire entrer en enfer. Il peut me donner la vie, il peut me donner la mort. Mais vous tous, autant que vous êtes les humains, vous ne pouvez rien ni pour moi ni contre moi. Que vous me jugiez tous comme vous voulez, à côté du jugement d'Allah, ça vaut zéro. Inna awliyaullah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Al-mu'minun. Na khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Vivez, soyez vivants. Soyez vivants. Aimez Allah totalement. Aimez Allah réellement, pas par peur. Pas pour le qu'en dira-t-on. Aimez Allah du fond de vous-même. De vous-même. Revivez selon les principes et les préceptes de Sayyidina Rasulullah sallam. Demandez-vous, oui, dites-vous, voilà, on me dit dans une semaine. Dans une semaine, je meurs. Qu'est-ce que je fais ? J'ai 7 jours devant moi. Je fais quoi ? Qu'est-ce que je fais de ces 7 jours ? Qu'est-ce que je fais de ces 7 jours ? Est-ce que je suis prêt ? Est-ce que je suis prêt à rencontrer mon Seigneur ? Est-ce que je suis prêt à rendre des comptes ? Est-ce que je suis prêt, oui, à celui qui, par contre, lui, il a le jugement dans la main ? Est-ce que je suis prêt ? Est-ce que je suis franchement prêt à aller dans un face-à-face ? Est-ce que je suis prêt à une réelle sujda ? Pas par peur, par amour. Est-ce que je suis même pressé d'y aller à cette rencontre ? Parce que je vais rencontrer Allah. Est-ce que je suis pressé d'aller le rencontrer ? C'est lui que j'aime depuis tout le temps. Dans tout ce que j'aime, c'est en fait c'est lui qui se cache derrière, c'est ses attributs. Donc oui, j'ai envie de le rencontrer. Est-ce que j'ai peur de la mort ? Wallahi, c'est le dernier de mes soucis. Les gens ont peur de la mort. Pourquoi avoir peur de ce qui est inéluctable ? La mort, on n'en a pas peur, on la prépare. On la prépare, mais elle est inéluctable. Voilà. J'aimerais qu'on laisse un petit temps de questions-réponses. J'aimerais aussi que vous puissiez vous exprimer. Merci à tous. Salam. Oui, on reprend le verset. « Fasawfa ya'tillahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. A'izzatan ala al-mu'minin, adillatan ala al-kafirin. يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائمين الله أكبر. Merci, c'est Slimane, c'était waouh, c'est du pur jus hein ce soir. Comme d'habitude, c'est du non dilué. Les amis, on ouvre la partie la plus intéressante en fait. C'est la partie interactive où en fait chacun de vous peut poser la question de manière directe en conférencier, évidemment. Donc je vous propose de bien lever vos mains. Enfin, il y a des voilà, les mains sur le Zoom et vous avez une option pour ça. Et on vous donnera la parole et vous avez droit à une question par intervention. Slimane, moi j'ai une question sur le WhatsApp avant de donner la parole, le temps que les questions s'animent au niveau du Zoom. Et j'ai quelqu'un. C'était magnifique, moi j'adorais, franchement, les commentaires sont rares. J'ai quelqu'un et des gens en fait qui remettent en question même l'existence de Dieu, l'agnostique. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? En fait, ça a existé depuis la nuit des temps. Hein. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté dans toutes les traditions. On le retrouve bien sûr en islam, mais on va le retrouver un petit peu dans toutes les traditions. Encore une fois, on est dans une question de sémantique. Est-ce que Dieu existe ? Déjà, ça, l'islam ne nous le demande pas. Quand on fait la shahada, on n'atteste pas de l'existence d'Allah, on atteste de son unicité. Or, le mot « exister » vient de « extare », c'est-à-dire être à l'extérieur de. Est-ce qu'Allah peut être à l'extérieur de quelque chose ?
Non. Donc en soi, étymologiquement, le mot existence pour Dieu est inconvenant. Est-ce qu'Allah est? Et c'est là qu'est la réelle question, et qui en entraînerait tout un ensemble d'autres. Donc maintenant, quand on est dans le domaine de la manifestation où Allah, il est Seigneur, est-ce qu'Allah est? C'est toute la question de la cause première, de la cause efficiente qu'on a pu trouver, par exemple, chez les anciens Grecs, qui avaient travaillé Ben Rushd, Averroès, qui avait beaucoup travaillé ces questions lorsqu'il avait traduit Aristote, Platon, etc. C'est la cause. C'est la cause. Au moment où vous ne faites pas quelque chose, qui l'a fait? Or, une chose qui est faite, quand elle est répétée, la notion de répétition d'une chose implique une intelligence. Si ce n'est pas votre intelligence, c'est laquelle? Donc, en soi, à la rigueur, quand il doute de Dieu, quand il doute de l'existence de Dieu, la question, très souvent, elle est mal formulée. Quand on lit les critiques de l'agnosticisme, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a une incompréhension qui est à un autre niveau, qui n'est pas réellement à celui de l'existence de Dieu, mais plutôt de ses actes. Comment se fait-il que des enfants meurent? Comment se fait-il qu'il y a des guerres? Comment se fait-il qu'il y a de la misère et de la maladie? Comment se fait-il qu'il y a de l'injustice? Comment se fait-il que si Dieu était juste, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça? C'est plus à ce niveau-là que ça se passe. Mais en soi, il y a déjà le postulat qu'il y a Dieu. Alors pour eux, il est peut-être injuste, il est peut-être tout ce qu'on veut, mais il est. Il est. La notion de l'athéisme en tant que tel, on n'a pas de thèse réellement sérieuse en soi. On n'a pas de thèse réellement sérieuse dessus. Quand on regarde les débats philosophiques qui se sont faits autour de cette question, ça vole pas haut. Ils sont très très vite en contradiction avec eux-mêmes. Bon, merci pour la réponse. Alors, j'ouvre le débat et les questions. Alors, s'il vous plaît, c'est extrêmement important pour nous de savoir quelle est la personne qui pose la question, parce que j'ai par exemple là la première personne, c'est iPhone. Bon, j'imagine que c'est le téléphone. Alors, s'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. Je vous donne la parole. iPhone, s'il vous plaît. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Ne touchez pas, il ne faut pas toucher l'écran, s'il vous plaît. C'est moi qui active et désactive le micro. Donc, voilà. Salam alaikum. Salam alaikum. Donc, la question, c'était pour savoir quand une personne perd son mari, est-ce qu'elle oblige obligatoirement de rester entre un mois ou 4 mois chez elle sans sortir? Est-ce que c'est une obligation en islam? Là, je dirais qu'on est loin du thème de la Exactement. Conférence de ce soir. Alors, s'il vous plaît, je précise ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de poser des questions sur le thème. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Par rapport à ça, on a des séances de fiqh, des questions, on a des gens qui peuvent vous répondre à ces questions-là sur toute la semaine. Il n'y a pas de souci. Envoyez-nous votre question. Vous aurez une réponse par la suite. Alors, merci infiniment. Je vous en prie, là. On pose la question. Shérif, allez-y, Shérif. Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allez, bon, ça. Grand merci, monsieur le professeur. C'était vraiment pertinent, c'était vraiment intéressant. Est-ce que je peux parler en arabe? Je préfère. Si vous voulez, je ne sais pas si par contre tous nos auditeurs vont comprendre. D'accord. Ou alors essayez en arabe et en français, les deux, traduisez. Ok. Tous les commentaires que j'ai sont en français. Ok, d'accord, merci. Vous avez parlé de chair. Vous avez dit qu'on a une relation directe avec Dieu, c'est vrai. Mais pourquoi Dieu nous a envoyé le prophète? Parce qu'il sait très bien que pas tout le monde peut connecter directement avec Dieu. Dieu, c'est le messager. Exactement pour le cheikh. Le cheikh, c'est quelqu'un qui comprend mieux que nous. Donc, et pourquoi il y a maintenant pas mal de bêtises? Pourquoi la religion est mal comprise? C'est parce qu'il n'y a pas des personnes, maintenant, il y a des personnes qui partent directement vers Google. Or, Google, ce n'est pas le cheikh. On doit avoir une personne à qui on fait confiance, qui a vraiment
qui a compris le Coran, qui a compris le hadith, qui sait faire la relation entre tout ça, et puis il fait, c'est-à-dire il fait comprendre aux gens peu à peu. Sinon, pourquoi il y a le terrorisme? Le terrorisme, c'est le fruit d'une religion mal comprise. C'est quoi votre question, s'il vous plaît? Oui, ma question, voilà, j'ai parlé de ça, et ensuite le hijab. Vous avez parlé de voile, vous avez dit que c'est pas quelque chose. Non, mais dans le Coran, qu'est-ce que dit Dieu dit? وَلْيَضْرِبْنَ بِخَمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ. يعني هو فرض. فقط, qu'est-ce qu'on peut dire? Une personne, une femme qui porte pas le voile, on ne va pas dire que c'est une mauvaise personne. Loin de ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas porter. C'est la même chose pour la prière. Il y a des gens qui ne font pas la prière. Nous, on n'a pas le droit de dire qu'ils vont rentrer à l'enfer ou quelque chose comme ça. Non. Mais donc, dire, vous avez dit que le voile, ce n'est pas très important. Mais non. Farida, li jat fil Qur'an ou jat fil. C'est pas important. Je suis désolé. C'est important quand on en comprend la signification. Et ce que j'ai dénoncé, c'est qu'aujourd'hui, on fait passer des aspects secondaires avant les aspects prioritaires. C'est que j'ai dit. Attention, il ne faut pas transformer mes mots. Le voile est important dans le sens où on en comprend la signification réelle. Tant qu'on ne comprend pas la signification et qu'on met un simple tissu sur la tête, ça ne change rien à la personne. Un idiot reste idiot, ça ne change rien. Une bonne personne n'a pas besoin d'un tissu sur la tête pour être quelqu'un de bien. Le voile, il a une portée autre. Le voile est important, il n'est pas aussi important que ça. Or, aujourd'hui, on ne parle que de ça dans toutes les sphères depuis 20 ans. C'est une marque identitaire, on en a fait une marque identitaire et non pas spirituelle. Le voile n'entre pas dans les 5 piliers de l'islam. Donc, à partir de là, oui, le voile est porteur d'une symbolique, oui, le voile a une utilité sociale, oui, il n'est pas aussi important qu'on veut nous le faire croire, c'est tout. Le dhikr est plus important que le voile. Quoi, le ? Le dhikr. Ah, d'accord. Mais le dhikr, c'est avec le voile. Bon, non, on va faire une désolé, parenthèse. Non, je ne suis pas d'accord. Madame, non, je m'excuse. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. On n'est pas obligé d'avoir un voile pour faire du dhikr. Je respecte ce que vous dites, mais pour moi, il y a le Coran qui dit ça. C'est une obligation. Et puis, le prophète dit « Ya esma la yura min al-mar'ati illa hada wa hada wa ashara illa wajhuhu illa al-yadayn » Oui, et à partir de là, depuis quand est-on obligé d'avoir un voile pour faire du dhikr? Il a dit encore, je suis désolé, mais encore une fois, c'est là qu'on est, c'est là que ça ne va pas. C'est qu'on vient, on est sur une conférence. Première question, si mon mari est mort, firt. Deuxième, attention, le voile c'est obligatoire, etc. Non, le dhikr est beaucoup plus important que le voile et on peut faire du dhikr sans voile. Oui, je respecte ce que. À partir de là, le voile, ce n'est pas une première urgence et importance en islam. Est-ce que votre cœur est bon? Est-ce que votre cœur est purifié? Mon cœur est bon. Yamassuhu illa al-mutahharun. Il dit le Coran, la yamassuhu illa al-mutahharun. Il ne dit pas « la yamassuhu illa al-muhtajjaboun ». Merci pour la réponse. Madame, ce que vous expliquez le conférencier, c'est qu'il l'a dit au départ de sa conférence, ce qui est important, c'est aller vers les choses plus importantes. Après les choses se font de manière progressive, mais donner du sens à ses actions, c'est ça ce qui est important. Il a dit au départ « donner du sens à ses actions ». Et le conférencier, si j'ai bien compris, vous me reprendrez peut-être, M. Slimane, c'est qu'en fait, ça ne sert à rien de mettre le voile si on n'a pas compris pour qui on le met d'abord et pourquoi on le met et qu'est-ce que je dois faire avant de mettre le voile. Voilà, c'est ce que veut dire M. Slimane. C'est tout, je pense. C'est ça, monsieur ? Et oui, on ne dit pas que le voile est mauvais. On ne dit pas que le voile n'est pas important. Mais il y a plus important. Il y a plus important. Alors attendez, il faut que j'aille chercher un chargeur, sinon l'ordi va s'éteindre, je vais le brancher à un chargeur, j'arrive. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, donc voilà. Donc, ce qui est important, c'est de donner du sens à nos actes et comprendre pourquoi on les fait. Voilà. Alors après, évidemment, le voile est important, c'est obligatoire même, mais c'est un cheminement, c'est-à-dire avant d'arriver à l'étape du voile, je suppose, il faut comprendre
pour qui on met le voile et aimer Dieu plus que ses enfants, ou aimer le prophète plus que ses enfants, pour pouvoir faire les choses de manière propre, de manière progressive et réfléchie. C'est ce que vous dites. Voilà, bon. Je suis de retour. Super. Merci, shérif. On donnera la parole à Madame Latefa. Latefa, s'il vous plaît, posez votre question. J'espère dans le cadre de la conférence. Latefa, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Tout d'abord, bravo pour cette conférence. Elle était très intéressante. ma question va encore porter sur le voile, mais ce n'est pas dans le sens où je vais me dire que c'est une chose... Dans le cheminement d'une femme, dans mon propre expérience, le voile a été très important. C'est comme me prouver et à moi-même que je suis arrivée à un stade où je ne m'intéresse pas à la vie des autres, surtout pour les femmes, les habits, les petites choses-là, ça m'a aidé beaucoup et ça m'a aidé. J'étais déjà dans la purification et tout, mais ça m'a donné un coup de pouce. On ne peut pas le nier. Tant qu'on n'a pas mis le voile, on s'intéresse à ce qu'on va mettre, à ce que va dire les autres. Et c'est comme le voile, il nous aide. Je ne sais pas. Je ne crois pas que ce n'est pas une priorité, mais il aide beaucoup la femme. Il aide beaucoup dans le cheminement vers le bon Dieu. C'est mon... Oui. Merci pour votre commentaire. S'il vous plaît, ce qui serait bien pour pouvoir faire avancer les choses, c'est de pouvoir poser des questions et non pas partager des commentaires. Merci. Alors, je donne la parole à Batoula. Batoula. Assalamu alaikum. Voilà, vous parlez de purification et d'essayer de donc suivre la voie du professeur Slum en essayant d'être des gens de la droite, comme j'ai bien compris. Mais on arrive dans une situation où, en société, c'est vrai qu'on essaie d'être au plus juste, au plus sincère et tout, mais on est toujours dans, j'ai l'impression, dans la corruption, parce que j'ai l'impression qu'on doit vivre seul pour se purifier. Et j'aimerais bien avoir cet avis-là, parce que vivre en société, même si on essaie d'être le plus honnête possible et tout, c'est pas facile. Non, c'est sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un djihad. Donc, automatiquement, bien sûr que ce n'est pas facile, c'est évident. Mais en soi, je dirais, même le Coran, Allah n'a jamais dit que c'était facile. Et c'est pour ça que Al-Muqarraboun, Sabirpoun, Sabirpoun, Qaliloun minhum, Qalil. Il y en a peu, il y en a que très peu qui y arrivent. Très, très peu. Or, non, c'est bien sûr que ce n'est pas facile. Dans les sociétés d'aujourd'hui, c'est difficile, c'est pour ça que c'est un combat. Mais encore une fois, ce combat, il faut le mener. Il faut le mener. Parce que sinon, de toute façon, tout combat qui n'est pas mené, on le regrette après. N'arrivez surtout pas sur un lit de mort avec des regrets. Menez votre combat à la mesure de ce que vous pouvez. À la qad al-istita. On fait ce qu'on peut, à la mesure que l'on peut. Mais par contre, il faut essayer. Il faut essayer. Merci pour la réponse. Je donne la parole à iPhone. Voilà. Je ne sais pas qui c'est. Prenez la parole, s'il vous plaît. Vous avez la parole. iPhone. Oui. Allez-y. Posez votre question, s'il vous plaît. Ne touchez à rien, s'il vous plaît. C'est moi qui active le son, le micro. Allez-y, s'il vous plaît. Posez votre question. Vous avez entendu? Très bien. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai posé la première question. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Ah oui, excusez-moi. Je comprends ce que veut dire. J'ai très bien écouté ce que vous disiez. Et c'est vrai que moi qui ne porte pas le voile, la première des choses qui était très importante pour moi, c'est vraiment quand vous parlez de purification du cœur. Et très important. À travers mes actes, d'être le plus proche de Dieu. Et je me remets en question par rapport à mon voile. Je me dis, oui, si je ne mets pas ce voile, est-ce que je vais aller en enfer? Je sais que je dois le mettre par rapport à ma religion, mais quand vous parliez tout à l'heure de la purification, oui, le bon Dieu me demande de faire ça. Oui, le bon Dieu, je vais commencer par ça. Je vais commencer à m'occuper de mes enfants. Je vais commencer par m'occuper de mes parents. Et
Et c'est vrai qu'on a toujours cette culpabilité par rapport à ce qui manque dans la religion. Vous dites que c'est un combat permanent d'éduquer son âme. Oui, bien sûr, c'est un combat. C'est un combat. Mais encore une fois, vous voyez, la réflexion, j'ai parlé une fois du voile sur quasiment une heure. Et en fait, on ne parle que de ça. Oui, c'est un combat. C'est un combat. Mais le combat, il est bien au-delà que de mettre un voile. Mettre un voile, ce n'est pas un combat. Hein, c'est un bout de tissu qu'on met sur la tête. Hein. Le combat, il est de faire du dhikr et il est d'être honnête. Il est de ne pas plier le genou devant autre qu'Allah. Le combat, il est de dire la vérité, d'aimer la vérité, de se battre pour la vérité. Le combat, il est d'être juste et de détester l'injustice. Il est de combattre l'injustice comme on le peut, comme disait le prophète, par la main, par la bouche ou par le cœur. Ça, c'est dur. Mettre un tissu sur la tête, franchement, c'est pas dur. C'est pas dur. Ça peut être une aide, ça peut être un bien. Si l'islam nous le commande, c'est bien. Mais nous aussi, les hommes, on a quelque chose à mettre sur la tête. Dans la symbolique des vêtements, la symbolique vestimentaire est très importante. Le turban est une symbolique, la chéchia est une symbolique, le voile, nous-mêmes, les hommes, on peut mettre un voile aussi. Et s'il a une utilité symbolique, spirituelle, il en a une sociale aussi. Mais il y a autre chose. Il y a beaucoup plus important dans tout ce que je viens de dire là ce soir. El-mahabba, fa'in kuntum tuhibbun Allah. Aimer. Qui sait aimer aujourd'hui? Tout le monde pense être capable d'aimer. Oh, je vous assure qu'il y a très peu d'amour en ce moment. Il y a très peu d'amour. Vous savez, nos sociétés, moi je suis originaire, comme je le disais, d'Algérie, nos sociétés, il y a 30-40 ans, on n'avait pas de verrou, on n'avait pas de barreaux aux fenêtres, on n'avait pas de porte blindée, on ne fermait pas la voiture le soir, parce qu'on aimait. On aimait ses voisins, on aimait ses proches, on aimait sa famille, on aimait. Et on n'attendait pas à la sécurité des autres. Aujourd'hui, on a tous peur les uns des autres. Ça, c'est dur. Vivre dans une société comme ça, ouais, ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Être juste, aimer la vérité et savoir aimer. Mahabbatullah, mahabbat al-Rasoul. Vivre au quotidien avec le prophète. Tous les jours, prier sur lui. Ouais, ça, c'est plus important que tout. Et ça, c'est dur. Prier sur le prophète. En arabe, solo, salat, sila. C'est être en lien avec le prophète. Être en lien avec le prophète, c'est se recouvrir des mêmes vertus et des mêmes caractères qui étaient les siens. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit Utammima makarim al-akhlaq. Makarim al-akhlaq. Ça, c'est dur. Se revêtir des makarim al-akhlaq. Des vertus, des nobles vertus. D'aimer son prochain. D'aimer le prophète plus que soi-même. De partager son assiette quand quelqu'un a faim. Ça, c'est dur. De ne pas tomber sous le joug du tyran, les taroutes de notre époque. Les taroutes sont les grandes entreprises de notre époque, sont les gouvernements menteurs, sont les modes de vie qu'on nous impose aujourd'hui. Ça, c'est du taroute, oui. Aujourd'hui, on vit libre, on ne vit pas libre. Il n'y a pas eu d'époque moins libre que nous. Aujourd'hui, on a peur de dire la vérité, on a peur de tout. Ça, c'est dur. Donc c'est pour ça, pour tous ceux là qui nous entendaient, si vous venez avec des questions, s'il vous plaît, soyez gentils, parlez-moi d'autre chose que le voile. Parlez-moi d'Allah, parlez-moi d'amour, parlez-moi de connaissance, parlez-moi de l'intellect, parlez-moi de votre liberté, parlez-moi de la force intérieure. Roud al-kitab bi-quwwa. Allah nous demande de prendre les choses avec force. Roudou ma'ataynakum bi-quwwa. Soyez forts dans la vie. Ça, c'est dur. Assumez. Assumez. Éduquer, vous avez des enfants, éduquez-les. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Merci pour la réponse. Donc, le message est passé, j'imagine. On donne la parole à Samira. Samira, vous avez la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir. En tout cas, je vous félicite pour votre conférence. Franchement, c'est du lourd. Moi, j'aimerais rebondir sur la question du cœur. Le cœur, vous avez parlé de l'qalb salim et vous avez parlé de l'oub et vous avez parlé de ulul albab. J'aimerais avoir un peu plus d'éclaircissement là-dessus, s'il vous plaît. D'accord. Alors, comme je le disais, j'ai cité un livre de Hakim Tirmidhi qui s'appelle « Al-Farq ma bayna sadr wal-qalb wal-fu'ed wal-lub ». Et en fait, ces appellations, il y en a encore d'autres, sir, ou al-khafa, al-akhfa, etc.
Ulin Nuha, etc. C'est tout un ensemble d'appellations dans le Coran qui fait appel à des catégories en rapport à une faculté de connaissance en nous. En nous, nous avons plusieurs facultés de connaissance, et ces facultés relevant de l'esprit, toutes ont une capacité de saisir la réalité divine. Et on a cette loub, cette faculté vraiment qui est le centre du centre en nous, qui a cette faculté de saisir Allah dans sa nature, de saisir les attributs divins dans leur nature plénière et d'en imprégner tout l'être. Donc, ça, c'est en nous. Vous savez, c'est comme le verset qui dit « Je vais créer l'homme et je vais l'harmoniser. Et une fois que je l'aurai rendu harmonieux, j'insufflerai en lui de mon esprit. » Al-lub, c'est de cet esprit divin, c'est de la matière divine. C'est la moelle divine, la substance divine. Or, seul le divin peut saisir le divin. Et donc, cet œil en nous du cœur, cette faculté intellective, elle se travaille, elle se purifie par des rites, de manière à ce qu'elle finisse par voir et à comprendre le divin. La connaissance du divin vient avant tout par cette faculté. On peut en avoir une approche par le biais de la raison, par le biais de la méditation, par beaucoup de modalités qui sont des facultés. Mais la modalité du lub est celle à laquelle on parvient quand on a purifié et nettoyé. Je vous conseillerais de lire l'homme et son devenir selon le Vedanta de René Guénon, où il a des articles, deux chapitres, je crois, où il parle de comment l'être humain est créé et des différentes couches superposées en nous, et notamment de nos facultés de connaissance. Il explique très bien les choses. Je vous remercie infiniment. Donc, si j'ai bien compris, vous parlez du lobe. En fait, c'est le centre du cœur de l'humain, en fait, qui c'est comme le départ d'une purification du cœur qui permet en fait de comprendre le divin. Exactement, exactement. Si j'ai bien compris. Tout à fait. Vous savez, ce sont en nous des facultés que l'on n'utilise quasiment plus. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés où on ne se sert que de la raison. On confond même intellect et raison. Et l'intellect en tant que tel, on ne s'en sert plus vraiment. Donc en fait, comme disait Cheikh Abdel Wahid Yahya René Guénon, il disait, c'est comme un muscle, quand on ne s'en sert pas, il est atrophié, on ne sait plus s'en servir. Le Cheikh Al-Akbar, Sidi Mouhyiddin ibn Arabi, il comparait ça à un œil. Il dit, l'œil vous permet de voir. Mais si l'œil est malade, en fait, il ne voit pas. Donc, avant qu'il puisse voir, il faut le soigner. Et une fois qu'il est soigné, il va voir. Donc, l'oub en nous, c'est une faculté intuitive, cognitive, qui nous permet de saisir le divin directement, de façon immédiate. Oui. Mais avant qu'il puisse être utilisé, il faut le rééduquer, le soigner, l'entraîner, il faut le préparer. C'est comme un récepteur qui capte. Exactement. Qui capte directement le message. Oui, tout à fait. Mais il faut que le cœur soit pur pour pouvoir le capter, en fait. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Samira. On donne la part. On continue, M. Slimane, il n'y a pas de souci. Oui, pas de souci, pas de souci. Très bien. Alors, pour information, s'il vous plaît, parce que si vous voulez en fait poser la question au conférencier, vous allez sur l'icône participant, vous allez avoir les noms qui se déroulent, vous allez voir votre nom, vous appuyez dessus longuement, vous allez avoir levé la main, vous touchez l'icône lever la main et puis vous y êtes. Il ne faut surtout pas lever la main dans les commentaires, ça ne sert à rien. Merci. Alors, on donne la parole à Mehdi. Mehdi, s'il vous plaît, bonsoir. Mehdi, bonsoir. C'est moi qui... J'active le son, donc vous n'avez qu'à... Allô ? Allô ? Oui, alors, bonjour madame. Salam alaikum à tous. Alaikum salam wa rahmatullah. Donc, c'était une conférence très, très, très intéressante. C'était intense. Il y a beaucoup de déclics qui s'ouvrent malgré nous.
Et donc, moi, je suis restée au fait sur l'amour et l'attachement. On a parlé d'enfants, on a parlé de parents, de famille. Donc, comment dissocier notre amour, comment essayer d'aimer et se détacher en même temps, au fait? En fait, ce qu'il faut, c'est comprendre quelle est la nature des deux mouvements en nous. L'amour, il donne. L'amour, il pense à l'autre. L'attachement, il prend et il pense à soi. Alors, comment est-ce que l'on peut voir la différence des deux? C'est que, par exemple, quand quelqu'un veut s'éloigner de vous, quelqu'un vous quitte, ou Allah reprend quelqu'un, un proche, l'amour, il y a un travail à faire sur soi, c'est de penser à l'autre d'abord avant de penser à moi. L'attachement, c'est penser à moi. Ah, il m'a quitté, qu'est-ce que je vais devenir? Pourquoi ça m'arrive à moi? La question, c'est moi. L'amour, c'est penser à l'autre. C'est, il veut me quitter, s'il est heureux en me quittant, Allah ibarik, je lui souhaite le meilleur. Si Allah me l'a repris, c'est que c'est mieux pour lui. C'est à lui et il est revenu à lui. Et si Allah l'a repris, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Moi, ça me fait mal qu'il s'en aille. Mais à la kulli hal, s'il est parti, il fait akhir. C'est que c'est mieux, c'est qu'Allah le sait et il est mieux auprès d'Allah qu'auprès de moi. Et donc, dans l'attachement, on consomme l'autre. Dans l'amour, on nourrit et on donne à l'autre. Au fait, c'est un travail en continu pour pouvoir arriver à ce stade, au fait. Oui, parce que dans l'amour, on ne souffre pas. Dans l'amour, on donne, on aime. Dans l'attachement, on souffre. Regardez, par exemple, combien de gens n'arrivent pas à faire de deuil. Regardez, par exemple, lors d'une rupture amoureuse, combien de gens en veulent à l'autre. Regardez dans un cheminement spirituel. Quand un shir va aider des disciples et que les disciples n'y arrivent pas, ils lui en veulent. Etc, etc. Dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est l'amour, il ne consomme pas l'autre. L'amour souhaite le bien pour l'autre. Même si l'autre a décidé, par exemple, dans une rupture amoureuse, l'autre a décidé de vous quitter, il veut partir. Souhaitez-lui le meilleur. Vous êtes capable de vivre sans lui. Vous n'êtes pas dépendante, vous aimez. Or, si vous êtes dépendante et que ça vous fait mal, et que vous vous demandez, mais comment je vais faire? Mais vous ne l'aimiez pas, vous l'aimiez par intérêt. Comment je vais faire? La question n'est pas, est-ce qu'il va être heureux? Est-ce que je lui souhaite le meilleur? C'est, non, comment je vais faire? Je, moi. Mon problème, c'est moi, c'est pas lui. Qu'il s'en aille pas, en soi, c'est pas grave, c'est moi, qu'est-ce que je vais devenir? Ça, c'est de l'égoïsme. En amour, il n'y a pas d'égoïsme. En amour, on aime sans intérêt, sans besoin. On aime, comme disait Abu Yazid al-Bistami, il disait, Ya Allah, moi je t'aime, mais je sais pourquoi, parce que j'ai besoin de toi, parce que j'ai intérêt avec toi, parce que je dépends de toi. Mais toi, je ne comprends pas pourquoi tu m'aimes. Tu n'as absolument pas besoin de moi. Tu n'as besoin de rien. Tu as zéro intérêt avec moi. Pourquoi m'aimes-tu? L'amour d'Allah, il est gratuit. L'amour d'Allah, il est total. Là, il y a amour. Amour et attachement, ce sont des opposés. Merci pour la réponse. On donne la parole à Halima. Halima, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bravo, Monsieur Slimane. La conférence était vraiment magnifique. Alors, ma question, c'est très courte. C'est que comment tenir le chemin d'Allah? Parce que personnellement, des fois, je suis sur le bon chemin. Je suis parfaite et des fois je m'en sors. Qu'est-ce que vous appelez parfaite? Comment? Vous dites je suis sur le bon chemin, je suis parfaite. C'est quoi être parfaite? C'est-à-dire je me sens bien, je me sens très bien, je suis sur le chemin d'Allah. Je suis bien et tout. Et des fois je m'en sors. Alors ce que je veux c'est comment tenir le chemin d'Allah définitivement. Eh bien, faites d'Allah le juge de vos états et de ce qui est bien, et non pas votre âme.
Parce que là, vous faites le critère de votre islam, c'est vous. Quand je me sens bien. C'est-à-dire que quand je me sens bien, tout va bien. Quand je ne me sens pas bien, ça ne va pas. Non ? Non. Non, l'islam, c'est tout le temps. Je me sens bien ou pas. C'est comme en amour. On n'aime pas son conjoint que quand nous, on est bien. Ou que quand lui, il est bien avec nous. Non, c'est tout le temps. Donc, en fait, il faut toujours se sentir bien. Même quand on n'est pas bien, même des fois, la prière, elle est dure, elle est lourde, on est fatigué, on a des soucis, des problèmes, stressés, des journées qui ne vont pas. Mm-hmm. Et bien là aussi, il faut être avec Allah. On n'est pas avec Allah que quand ça nous plaît, quand on se sent bien. Il faut y être tout le temps. Il faut y être tout le temps. C'est pas quand je suis... Quand je suis avec Allah, je me sens, c'est-à-dire que je me sens bien, pas de peur, pas de stress et tout. Oui. Je lis le Coran, je fais ma prière et tout. Mais des fois, c'est que, comme disait tout le monde, nanchareel la vie quotidienne. Vous avez compris la question? Non, je vous avoue que je n'ai pas trop compris. En fait c'est ce que disait le conférencier, je me permets de participer à la réponse. Il parlait de choses importantes, c'est le jihad fil nafs. Exactement. C'est Slimane, il a dit comme quoi il faut aller chercher cette présence journalière avec Dieu. Voilà. Donc vous avez dit aujourd'hui, quand je lis le Coran, etc., je me sens bien, mais souvent la vie m'aspire et là je ne suis pas bien. Ben, c'est ce qu'a dit le conférencier M. Slimane, il a dit comme quoi al-jihad fi nafs, ça veut dire aller au-delà de ses envies, aller dans l'autre sens, à contre-courant de ses envies, et pouvoir aller. C'est ça, M. Slimane, hein, je m'excuse de. Oui, et puis surtout rester vigilant avec Allah. C'est-à-dire qu'Allah, cette vie, nous l'a donnée pour aller à lui, pour le connaître. Donc automatiquement, il ne cesse d'être avec nous. Il ne cesse d'être avec nous. Donc, à partir de là, ça veut dire que dans n'importe quelle circonstance, il est là. N'importe quelle circonstance, il nous donne un enseignement. Et dans n'importe quelle circonstance, il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose qui doit nous frapper. Il y a une leçon à tirer. Donc, des fois, elle n'est pas là où on est. Des fois, on est dans des circonstances où on va rater l'heure de la prière, voire on va même s'endormir et oublier la prière. Et bien là, il y aura peut-être un enseignement bien meilleur que dans le cas où on aurait fait la prière. Allah va nous parler, va nous donner des enseignements par où il veut. Il faut être vigilant, il faut être à son écoute. Merci pour la réponse qui est claire. Bilal, vous avez la parole. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam alaikum. Alors, j'ai une question. Alors, je voudrais savoir, quand on parle de rapprochement, de quel rapprochement parle-t-on alors qu'Allah nous dit dans le Coran « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ » Alors, je voudrais comprendre quel est comment concilier voilà, ce rapprochement et ce verset coranique. Oui, bien sûr, c'est une très bonne question. C'est comme celle par laquelle j'ai commencé en disant « puisqu'Allah est partout ». Comment parler de rapprochement ou d'éloignement? Oui. Donc en soi, c'est par rapport à nous que la chose se situe. Puisqu'Allah, il est toujours, il ne change pas. Donc automatiquement, quel que soit le cas de figure, il est le même, ça ne change pas. C'est nous qui varions. Or, la notion de proximité, on peut la lire de plusieurs manières. Par exemple, comme nous, entre êtres humains, par exemple, quand on a un ami, quelqu'un qu'on aime bien, on dit « je me sens proche de ». Or là, on ne parle pas d'une proximité physique ou quantitative à 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres. On parle de quelque chose d'intérieur. Je me sens en affinité, je me sens proche. Donc ça, c'est la première. Il y en a une autre également, c'est cette notion de proximité alors qu'Allah est le plus proche. Mais en a-t-on conscience? Donc en fait, notre degré de proximité est notre degré de conscience. Vous savez, par exemple, des fois, on a les lunettes sur la tête. Là, je les ai pas avec moi. On met ses lunettes sur la tête et on cherche ses lunettes partout.
Or, pourtant, elles sont au plus proche de nous. Mais le fait qu'on n'en ait pas conscience, elles ne sont pas proches de nous. Elles sont nulle part, on ne sait même pas où elles sont. Allah, c'est exactement pareil. En réalité, Allah, il n'y a rien de plus proche de nous qu'Allah. Le prophète, salam, « Wafikum Rasulallah » Toute cette notion de la Haqqa Muhammadiyya, toute cette notion du prophète quand il dit « J'étais prophète alors qu'Adam était entre l'eau et l'argile ». Le prophète qui est en nous, en réalité, il est en nous comme la vérité est en nous, le sens de la vérité est en nous, sinon on ne reconnaîtrait pas la vérité. Or, tout ça, c'est quoi? C'est un degré de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le divin, quand Allah a déposé de son esprit en nous, qu'est-ce qui peut être plus proche de nous que lui? C'est une question de conscience. C'est une question de prise de conscience. D'accord. Bon, donc, ce rapprochement, c'est la prise de conscience, c'est ça? La prise de conscience, oui. D'accord. D'accord. Merci la prise beaucoup. De conscience. Vous savez, par exemple, je vous donne un exemple très simple dont parle Ibn Arabi dans les Futuhat. Il parle, par exemple, de la vue. Et il dit, tout le monde est habitué à ce que la vue, c'est sa vue, c'est la nôtre. Dès qu'on ouvre les yeux, on voit. La vue nous appartient. Alors qu'en réalité, il dit non. Al-Basir ou Allah. Celui qui voit, c'est Allah. Si on voit, c'est parce qu'il nous a prêté son attribut divin de vision. Sinon, on ne verrait pas. Et le jour où on perd la vue, où elle s'amenuise, ce jour-là, on comprend qu'elle n'est pas à nous. Or, quand on a Al-Basir en nous, on a Allah, c'est Allah. La vue, c'est divin, c'est pas humain. C'est divin. Un mort, il a des yeux, il ne voit pas. Quelqu'un qui dort, ouvrez ses paupières, il y a bien les yeux, pourtant il ne voit pas. La vue, c'est une lumière qui est en nous. Et ça, c'est la lumière divine, c'est la lumière du prophète qui est en nous. Mais encore faut-il en avoir conscience. Quand on en fait un acquis, quand on en fait quelque chose qui nous appartient, à la fin, on finit par le regarder comme quelque chose de banal. Alors qu'en fait, ce n'est pas banal, c'est divin. Ce que l'on cherche au loin est tout près de nous. Merci pour la réponse. Alors, on donne la question suivante, c'est Imen. Imen, vous avez la parole. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, bonsoir Allah. Salam alaikum. Alors moi j'ai une question par rapport à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais savoir comment, parce qu'on nous dit qu'il faudrait aimer le prophète plus que nos parents, nos enfants. Moi j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut arriver à ce stade-là. Par exemple moi, ma mère c'est ma vie. Comment est-ce qu'on peut atteindre ce stade où est-ce qu'on peut aimer le prophète plus que nos parents? Parce qu'intuitivement, on a tendance à aimer les personnes qui vivent avec nous. Je ne sais pas si oui. Ma question est... Mais si, elle est claire. Elle est claire. Bah, déjà, il faut arrêter de ne regarder le prophète que comme un homme qui a vécu il y a 1400 ans. Il faut désindividualiser la prophétie. Il est beaucoup plus que ça. Le prophète, dans sa réalité plénière, il est avant la création même. Il est la première création de Dieu. Il est en nous. Il est immuable. Ce qui a été historique, ce qui a été temporel, ce qui a été localisé en Arabie, ça a été son corps, son noble corps, qui lui a été donné pendant un certain temps. Mais il ne se réduit pas à ça. Quand Ibn Arabi, par exemple, disait, quand vous voulez un contact avec le prophète, prenez le Coran dans vos mains, c'est le prophète que vous tenez dans vos mains. Or, comprendre profondément le Coran, c'est comprendre le prophète. Aimer le Coran, c'est aimer le prophète, c'est aimer la vérité. Or, on doit aimer la vérité plus que tout. Or, comment ça se traduit? Ça se traduit dans le fait que demain, même si un proche, il devait y avoir un choix dans votre vie entre la vérité et un proche. Il faut choisir la vérité. Donc, c'est le choix de ce que Guénon appelait entre la vérité et l'émotivité. Choisissez la vérité. Or, choisir la vérité, c'est même la choisir par rapport à soi-même. C'est pour ça qu'il faut aimer le prophète plus que soi-même, puisque le prophète est la vérité. Il est la lumière, il est les attributs divins. Ça vous est clair? Parfaitement, je pense. Merci. C'est très beau ce que vous avez dit. Hein. Je pense que vous avez donné envie à beaucoup de gens de prendre le Coran ce soir. Inch'Allah, Inch'Allah.
Yoann, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur. Alors, salam alaykoum. Alaykoum salam. Moi, je voulais dire, tout à l'heure, vous disiez que la mort était le dernier souci. La mort, on ne devrait pas en avoir peur. Pourtant, ça va être le moment où, de cette fameuse rencontre. Et tous les jours, on anticipe avec ça parce que c'est trop lourd pour nous, déjà, de notre vivant, à porter cette rencontre. Comment ne pas avoir peur quand on sait qu'on va passer? On ne devrait pas avoir peur, mais dans justement cet inconnu, cette toute puissance qui nous dépasse déjà de notre vivant. Oui, et alors pourquoi en avoir peur? Non, inconsciemment, est-ce que c'est normal d'en avoir un peu peur parce que c'est déjà trop puissant pour nous? Oui, c'est normal tant qu'on ne connaît pas réellement Allah. Rapprochez-vous d'Allah, apprenez à connaître Allah, apprenez à connaître le prophète et votre peur changera. Allah est le plus miséricordieux des miséricordieux. Arham ar-Rahimin. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Si le dernier dont on pourrait avoir peur, c'est lui. Arriver à lui humblement. Il faut simplement arriver dans les bonnes conditions. Arriver à lui humblement. Arriver à lui en sachant que tout est miséricorde. Ne pas arriver en orgueilleux. Ne pas arriver en commerçant. Moi, j'ai 15 812 hassanettes, ou etc. C'est, faut arriver humblement, en fakir, en être pauvre, en être amoureux, en aimant plus que tout. Tu fais ce que tu veux de moi, Allah. De toute manière, tu fais ce que tu veux. Yafralallahu mayasha. Fais ce que tu veux, moi, je t'aime. Il n'y a qu'un Dieu, il n'y en a pas deux, donc je ne peux pas en aimer un autre. Donc, je t'aime. Mais est-ce qu'on choisit de l'aimer ou est-ce que c'est lui qui nous aime à travers lui? Il s'aime à travers nous, mais en soi, l'amour est notre nature. Comme disait Mouhyiddin ibn Arabi, de l'amour nous venons, par l'amour nous avons été conçus, vers l'amour nous allons, par l'amour nous vivons, nous sommes amour. Quiconque n'a pas d'amour en lui, le Christ disait, quiconque n'a pas aimé ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. L'amour est en nous. Ne pas avoir d'amour en nous, c'est ne plus être humain. Un humain qui n'a pas aimé n'a pas eu de vie. Un humain qui n'aime pas est mort. Est-ce que choisir d'aimer Dieu et son prophète, alayhi salatu wassalam, plus que nous-mêmes, ça implique de renoncer à tout ce qu'on a connu jusque-là, à tout ce qui n'est pas Dieu et son prophète? Mais en réalité, tout est Dieu et son prophète. Tout est Dieu et son prophète. Qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Qu'est-ce qui ne retourne pas à Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas vivant par Allah? Tout. Vous savez, si on devait pousser les choses, même l'enfer est une miséricorde. Parce que c'est le lieu de la purification. Ça brûle tout ce qui n'est pas bon en nous. Tout est miséricorde. Je rajouterai, c'est Slimane. « Man ahabballah liqa'ah » c'est quoi là, j'oublie le reste, mais en fait. Et qui ne veut pas rencontrer Allah, Allah ne veut pas le rencontrer non plus. Voilà, c'est ça. Merci pour la réponse. Je donne la parole à Sana. Sana, s'il vous plaît, vous avez la parole. Bonsoir. Salam alaikum. Alaikum salam. Donc, je vous remercie pour votre conférence. Alors, je reviens sur le thème « Pourquoi et comment se rapprocher de Dieu ?» Tout à l'heure, j'avais posé la question « La peur pour les enfants », en fait, toujours dans le sens de s'approcher de Dieu lors de notre éducation pour les enfants, qui est également l'une de nos responsabilités en tant que parents. En fait, demain, devant Dieu, parmi les choses qu'il va nous poser comme question, qu'est-ce qu'on a fait de nos enfants? Qu'est-ce qu'on a... notre orientation vis-à-vis des enfants. Donc, c'était dans ce sens-là que j'avais posé la question, si vous pouvez nous éclairer à ce sujet. Je pense que j'en ai parlé
lors de l'intervention, c'est que qu'on ait une responsabilité, oui, qu'on doive l'assumer, oui, qu'on désire le meilleur pour eux, oui, mais encore une fois, le meilleur pour eux, c'est quoi? Est-ce que c'est les gâter, c'est en faire des capricieux, etc. C'est ce qui se fait malheureusement beaucoup aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que c'est que de vouloir le bien pour son enfant? C'est de le préparer à sa vie adulte. C'est de l'engager sur une voie de connaissance. S'il faut, lui apprendre à entendre non, non, le refus. Il faut lui apprendre à obéir. Parce que la voie d'Allah est une voie d'obéissance. Atti'ullah wa rasoul. Ouais, il faut les éduquer, il faut alors vouloir leur bien. Mais encore une fois, leur bien, ce n'est pas leur faire une bulle de coton, ce n'est pas leur faire une bulle de confort, c'est... La rigueur est très très bonne hein, pour un enfant, vous savez. Quand on élève un enfant dans une bulle de coton, on en fait un faible. Donc encore une fois, oui, bien sûr qu'on doit le meilleur à nos enfants, mais encore une fois, qu'est-ce que le meilleur? Qu'est-ce que le meilleur? Oui, très bien. Enfin, c'est très clair ce que vous venez de me dire. Là, j'ai une question peut-être directe sur le sujet. Si par exemple, pour l'éducation toujours des enfants, bon, on sait qu'il y a des choses que, bon, au niveau du Coran, du Coran ou bien l'orientation de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi, par exemple, pour une fille, bon, il faudrait qu'elle reste protégée, hein, dans un sens. Hein. Le fait de protéger dans le sens, ben, c'est-à-dire là, on ne va pas la laisser sortir les soirs, on ne va pas la laisser partir quelque part toute seule. Mais par contre, le garçon, on peut le laisser, lui. Non plus, non plus. Quand je dis fille-garçon, hein, donc c'est-à-dire là, non, j'ai pas. Non, vous avez dit fille. Oui, parce que j'ai une fille, voilà. Oui. Je pense à ma fille, tout simplement. Au fait, l'idée que ça soit fille ou garçon, c'est le même sens. C'est-à-dire aujourd'hui, pour éviter tout ce qui est le fahsha ou le munkar qui sont dans le Coran, et en même temps, on sait qu'aujourd'hui, comme vous avez dit, dire le non. Ok, pour aller là, vous êtes en France et nous aussi, on est dans la France, au Maroc, un peu dans notre éducation avec les enfants, puisqu'ils sont aussi dans un système très proche. Mmh. Et là, effectivement, il est bourre d'informations qui nous rendent difficile au fait cette tâche là. Et à un moment donné, le fait de dire à chaque fois non, 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 effectivement, pour avoir cette rigueur, on aimerait bien votre avis sur le comment. Pouvoir respecter, on va dire, tout ce que dit Allah, parce qu'il est d'abord, on doit respecter ce qu'il nous dit Allah, et en même temps, de pouvoir les éduquer pour que demain aussi, eux, ils vont suivre la bonne voie de Dieu, tout en ayant un épanouissement de ses enfants, parce que comme c'est des enfants qui sont quand même libres. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer. Si, c'est clair, c'est clair. C'est clair. C'est sûr que le comment est la. C'est pas le plus évident. C'est pas le plus évident. Aujourd'hui, il faut savoir parler avec les enfants, surtout parler sans tabou. Parce que toutes les questions qu'elles peuvent avoir ou qu'ils peuvent avoir, si vous ne leur donnez pas de réponse, ils vont aller chercher leur réponse à l'extérieur. Donc, vaut mieux que vous sachiez parler ouvertement sans tabou. D'ailleurs, le prophète conseillait de pas de tabou en religion. Maintenant, oui, il faut un discours avec de la cohérence. Il faut expliquer le pourquoi du non. Il faut expliquer les déviances aujourd'hui, ô combien ça peut nuire. Ça peut nuire. Les soirées, là dont vous parlez, il y a soirée et soirée. Il peut y avoir des soirées entre amis que vous connaissez. Vous savez qu'il n'y a pas de souci. Vous savez qu'il n'y a pas de débordement, qu'il n'y a pas d'étrangers à la soirée de gens que vous ne connaissez pas. Etc., parce qu'il ne faut pas les mettre en prison non plus, les enfants. Maintenant, il faut savoir parler, beaucoup parler avec eux, mais par contre, il faut savoir être juste aussi. Or, là-dessus, si vous me permettez, je fais une petite parenthèse, c'est qu'encore une fois, chez nous, on vit beaucoup plus sur les coutumes que sur la tradition, c'est qu'on a avant tout peur pour les filles, parce que les filles, la virginité, parce que la honte, parce qu'on a peur. Et ça, c'est pas ce que nous a appris le prophète. Or, aujourd'hui, nous, arabo-musulmans, on vit quasiment tous là-dessus. Le garçon, on s'en fout royalement. C'est le dernier des soucis. Va, mon fils, sors, passe toute la nuit dehors, fais ce que tu veux. On s'en fout royalement. Quand nos jeunes vont se marier, la fille, tout le monde se soucie de sa virginité. Le garçon, tout le monde s'en fout.
C'est ça que nous a ramené le prophète. On devrait autant avoir peur pour les garçons que pour les filles. Or, ce n'est pas le cas. Vous avez une fille, vous vous souciez de votre fille. Mais pour ceux qui ont garçon-fille, bien sûr que tout ça, ça... c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Or, ce n'est pas ce que nous a amené le prophète. On vit dans la peur. Et puis, oh là là, ma fille, oh là là, la peur. Allah ne nous a pas demandé de vivre dans la peur. Il ne nous a pas demandé de vivre dans la peur. La honte. Nous, on a peur de la honte. Allah ne nous a pas demandé de vivre dans la honte. Non. Non. Aujourd'hui, nos sociétés ont changé. Les jeunes, avant, on les mariait jeunes. 17, 18, 19 ans, hop, 20 ans. On les entourait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils font des études. Ils se marient plus âgés. Et sont-ils toujours bien entourés? Il y a des fois, les parents n'ont pas vraiment les moyens d'entourer et de suivre. Or, c'est plus à ce niveau-là qu'il faut faire attention. Il faut qu'il y ait une cohérence aussi entre garçon-fille. Il faut qu'il y ait une cohérence. Pour une fille, mettez-vous à la place d'une fille. Le garçon, tout lui est permis. La fille, il faut faire attention, faut etc., etc. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas islamique. Ce n'est pas mohammedien. Donc ça, il faut aussi savoir en parler. Il faut savoir les écouter. Parce que les jeunes, ils ont aussi cette oreille et ils ont aussi ce constat dans les sociétés d'aujourd'hui. Après, par contre, que ce soit pour le garçon ou pour la fille, oui, les soirées, après, il y a soirée et soirée. Il faut savoir leur faire comprendre où se trouvent les dangers de ces soirées. Oui, parce qu'il y a des dangers. Hein, dans, les soirées des jeunes, je vois dans certains milieux, que ce soit en France, mais pas qu'en France, un peu partout aujourd'hui, ça s'est généralisé. Hein, les drogues circulent, l'alcool, la liberté sexuelle, la dépravation. Quoi. Et oui, bien sûr que pour un jeune, ça peut très mal finir. Ouais, pour des jeunes, ça peut mal se passer. Faut être vigilant. Faut être vigilant. Souvent, les enfants, ils sont jeunes, ils n'ont pas encore trop le recul et l'expérience de vie qui leur permet de comprendre les dangers de ces sociétés. C'est pour ça que nous, là, parents, on a ce rôle de proximité avec eux. Il faut un rôle de proximité, savoir parler, surtout pas de tabou. Merci, Slimane, pour votre réponse. Il reste quand même six personnes. Si vous voulez bien, on peut arrêter ici parce que quand même, on ne va pas… Non, ça va, on peut, bah, s'il y en a six, allez, hop, on va prendre. Par contre, voilà, question, pas de commentaire, mais une question assez courte avec réponse. D'accord, très bien. Alors, je donne la parole à Drifa. Drifa, vous avez la parole. Oui, salam, bonjour. Bonsoir. Ma question, c'est quand on a cheminé vers Dieu, quand on a purifié son cœur, quand on a de l'amour, quand on s'est nettoyé de tout, c'est quand on travaille par exemple pour une grande entreprise, c'est difficile de concilier les deux dans une vie, société moderne, quand on voit, quand on travaille pour une grande entreprise et que les gens, bah, ils mentent, il y a des gens ambitieux, on cherche que le profit, aussi beaucoup, on peut facilement terminer en burn-out. Comment concilier les deux en fait, notre vie spirituelle, et comment arriver au quotidien, dans le travail, comment arriver à se protéger, à garder notre spiritualité tout en étant, je dirais, voyeur de ce monde où effectivement tout le monde n'a pas cheminé en fait. Quand nous on a cheminé, oui. Quand les autres n'ont pas cheminé, comment arriver à concilier les deux? Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller pour arriver à trouver un équilibre entre cet intérieur, cette vie spirituelle et cette vie que je vis dans le monde moderne où je suis obligée d'aller vivre pour gagner ma vie? Merci pour votre question. Bien sûr. Vous n'êtes pas la seule, vous savez, je reçois beaucoup ces questions. Dernièrement, une dame de Genève qui est dans l'horlogerie en Suisse avait le même problème avec deux enfants. Comment je fais? J'ai une responsabilité, etc. Oui, encore une fois, je dirais qu'il faut restructurer sa vie. En soi, il n'y a pas trop le choix. Sinon, comme vous le dites, vous courez au burn-out. Vous courez à la dépression, vous courez au palliatif, hein, au Xanax, au psychotrope, et ce n'est pas une solution non plus. Donc, à un moment donné, il faut savoir un peu écouter son corps, il faut savoir écouter son esprit aussi. faut pas en arriver là. Faut restructurer sa vie, c'est tout. Donc partir vivre en campagne, trouver un moyen de vivre à mi-temps ou un boulot en campagne, peut-être moins bien payé, mais avec un confort de vie autre. C'est avoir accès à du bien immobilier bien moins cher qu'en ville, par exemple. Mais il faut restructurer sa vie, il faut faire quelque chose. Essayer de monter des projets, peut-être en collectif avec plusieurs personnes, s'entraider. Acheter un bien collectif à 3-4, par exemple, ça se fait dans beaucoup d'endroits. L'autre fois, dernièrement, je voyais une émission de gens
en France qui pareil, avait fait une rupture conventionnelle et s'était dit, allez hop, on va aller vivre 2-3 ans à la campagne. On va vivre ces 2-3 ans, même si après on doit y retourner au moins pendant 2-3 ans. On va vivre à la campagne, on va être proche de nos enfants, on va les éduquer, on va être proche de la nature. À un moment donné, il faut restructurer sa vie. Il ne faut pas se penser prisonnier de la ville, prisonnier de l'entreprise, prisonnier d'eux. Au moment où on part sur des projets et on part sur une conscience, Allah ouvre les portes. Comme je le disais tout à l'heure, « Ad'ouni astajib lakoum ». Faites la da'wa par vos démarches. La du'a, pardon. Faites la du'a par vos démarches. Faites la du'a par le fait de chercher, bouger, renseignez-vous, regardez, essayez. Tous les jours, des gens le font. Mais oui, restructurez votre vie. Si à un moment donné, vous n'êtes pas heureuse comme ça, que c'est un burn-out qui est à l'horizon, que vous vivez dans des milieux qui sont exécrables, et changez, changez. Quitte à baisser de salaire, mais changez. Partez en campagne. Allez dans un endroit où vous connaissez des gens, ou si vous avez de la famille, ou etc. Prenez le temps de restructurer les choses, mais faites-le, parce que sinon, oui, effectivement, au bout, ça va être le burn-out qui va vous attendre. Merci pour la réponse. Ilham, vous avez la parole. Vous m'entendez? Très bien. Bonsoir. Oui, moi, je rejoins la dame qui a parlé juste avant. Mais moi c'est un peu plus large que ça. Votre question, s'il vous plaît, de manière précise. Votre question de manière précise, s'il vous plaît. On n'a plus beaucoup de temps. D'accord. C'est juste pour dire, comme a dit la dame auparavant, c'est un peu la même question, mais dans un sens beaucoup plus large, c'est dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on est dans un jihad avec tout le monde, avec le système, avec la société de consommation, avec les peurs qu'on nous crée. Il suffit de parler du corona, c'est déjà suffisant. Mais on est tout le temps, on a peur de tout, on a peur du système, on a peur des... Et donc, il faut gérer ça. Et comment faire pour gérer ça au quotidien? Vous êtes dans votre bulle, vous êtes bien. Quand vous êtes chez vous, vous êtes avec Dieu, vous êtes rapproché de Dieu, vous êtes dans une bulle, vous êtes heureux. Mais dès que vous sortez, vous mettez le pied dehors, vous êtes dans un autre jihad, dans un conflit avec les gens, vous êtes dans la peur parce que le système crée des peurs. Vous avez peur de tout le monde, vous avez peur de tout. Vous avez peur même des gens qui sont censés vous protéger. Vous avez peur de la justice, vous avez peur des médecins, des policiers, vous avez peur de tout. Et donc, comment rester rapproché de Dieu tout le temps, dans la vie de tous les jours? Est-ce que je suis rapproché de Dieu seulement quand je suis toute seule chez moi, et là, je suis avec Dieu? Et quand je suis dehors, je suis dans la guerre, je suis dans le jihad. Est-ce qu'il faut descendre dans la rue? Est-ce qu'il faut manifester? Comment changer les gens? Comment lutter contre l'obscurantisme? Lutter contre les dogmes? Lutter contre un système qui est nul, on est dans une jungle, dans un monde brut. Et... Oui, là, ne sortez pas de chez vous. Ne sortez, enfin, du moins, sortez le moins possible. Sortez le moins possible. Déjà, si chez vous, vous êtes arrivé à vous faire un Dar al-Salam, si chez vous, vous êtes arrivé à vous faire un endroit où vous vous sentez bien, alhamdoulilah, oui. C'est déjà beaucoup. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Maintenant, quant à l'extérieur, n'ayez affaire à l'extérieur que par obligation, si ce n'est pour aller voir des proches, aller voir des amis, aller voir des gens avec qui justement vous allez vous remonter le moral, avec qui vous allez passer un bon moment. Mais par contre, les obligations, réduisez-les au minimum. Et après, quant à la société, les médias, les écoutez même plus. À la rigueur, je vous dirais, ne regardez même plus. Le Covid, le machin, le truc, les politiques, c'est que du vent, tout ça, c'est que du vent. Je veux dire, vous n'en aurez peur qu'au moment où vous prêtez l'oreille, n'écoutez pas, c'est du vent. Ne prêtez pas oreille à tout ça. Lisez du Coran, lisez, baladez-vous en forêt, allez passer du temps avec vos proches, allez voir des amis. Vivez dans votre bulle. Sortez de cet endroit extérieur qui vous oppresse, qui vous... etc. À un moment donné, là où on ne se sent pas bien, on s'en va. On change de travail, on change de région de vie, on change de fréquentation, on change d'habitude, on change. Il faut changer quand à un moment donné, on a quelque chose qui ne va pas, on change. Il faut être actif. Faut pas attendre que la société change, elle ne changera pas. Merci pour la réponse.
toutes les manières, il n'y a pas de réponse parfaite, hein, donc c'est du cas par cas. Je donne la parole à Leïla. Leïla, vous avez la parole. Salam alaikum. Salam. Merci beaucoup pour cette belle conférence. Moi, je suis à la retraite et cette conférence m'a apporté un grand apaisement. Vraiment, j'étais très apaisée et un grand bonheur. Moi, ma question, c'est sur le contraire, si je puis dire. Comment ne pas tomber dans la léthargie et rester quand même actif un petit peu pour avoir ne pas oublier de faire du bien autour de soi. Merci beaucoup. Ben, c'est un peu le risque, oui, quand par exemple on est en retraite, donc on a passé l'époque des obligations, etc., on peut tomber dans une certaine léthargie. En soi, faire le bien, il y a différentes manières de le faire. Déjà, vous cultivez la connaissance tous les jours, chaque jour, mourir un peu moins bête. Dès qu'on apprend quelque chose, le prophète tous les jours disait « Rabbi zidni ilma ». Et après, ben, faire le bien qui vient autour de vous, déjà vos proches. Hein, le Coran, al-walidayn, al-aqrabin, walidil qurba, wal-yatama, wal-masakin, etc. C'est aussi transmettre vos connaissances, faire du bien. C'est faire des doigts pour les gens de bien. C'est, etc. C'est faire ce que vous pouvez, mais encore une fois, il ne faut pas vous mettre martel en tête. Il ne faut pas vous martyriser. Faut pas. On fait ce qu'on peut. Si déjà vous arrivez à trouver la paix dans votre vie, c'est déjà un très grand bien. Un très grand bien. Mais sinon, un cercle d'amis, que des gens viennent vous visiter ou allez les visiter. Une, deux fois par semaine, donnez-vous des rendez-vous de lecture, rendez-vous de cercle, hein, autour d'un bon petit thé chaud, échanger, discuter, passer un bon moment. Ça aussi, c'est un bien que vous faites pour les autres et que les autres vous font aussi. Après, si vous avez la santé, vous pouvez faire plus, faites plus. Apprenez à des gens à lire, à écrire, apprenez à aider des associations, etc. C'est tout ce qui peut vous sembler de bien. Notamment, j'insiste dans le domaine de la connaissance, l'ilm. Merci pour la réponse. Avant-dernière question, iPhone, vous avez la parole. iPhone, vous avez la parole. Bon. On va sauter l'iPhone et on va donner directement la parole à Aïcha. Aïcha, vous avez la parole. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تبارك الله عليكم وجزاكم الله عنا كل خير. ما question, c'est toujours par rapport à ce fameux comment. Tout à l'heure, vous parlez de la purification de l'œil, du cœur. Donc, le comment, c'est dhikr, Coran, كل ما يقرب من الله سبحانه وتعالى. Entre autres, faire du bien autour de soi. Est-ce que c'est faire du bien autour de soi? Pardon? Oui, je vous écoute. Oui, faire du bien autour de soi. Est-ce que aussi cette purification parmi c'est comment? C'est faire rupture avec les personnes nocives. Les personnes qui épuisent notre charge positive. Oui. Parce que je reste toujours dans cette polémique et je culpabilise. Je me dis, je ne suis pas encore arrivée à Darjat l'Ihsan, faire du bien, même si je reçois le contraire. Mais ça m'épuise. C'est pas ça l'Ihsan. Hein. Quelqu'un qui vous pollue, quelqu'un qui vous pourrit la vie, c'est pas parce que vous ne lui faites pas de bien que vous ne serez pas dans l'Ihsan. Hein. L'Ihsan, c'est pas de devenir. Accepter de se faire flageller en place publique devant tout le monde. Hein. Les gens qui polluent votre vie, les parasites, balayez-les. El mu'min, yusahib el mu'min. Quelqu'un qui vous pollue la vie, il n'est pas croyant. El ihsan, an ta'bud Allah ka'anna katara. C'est de s'effacer en Allah, l'ihsan. C'est de ne voir qu'Allah. Mais quand il s'agit de proches, c'est pas rahim, mais des proches, ils sont là.
Oui, c'est pareil, même si c'est un proche, c'est pareil. Oui. Un proche qui vous pourrit la vie n'a pas le droit de vous pourrir la vie. Donc, à partir de là, un proche, même un proche qui vous pourrit la vie, allez hop, coup de balai, au revoir. Votre demeure, ça doit être Dar al-Salam. Toute personne qui n'entre pas en salam dans votre vie, mettez-la dehors. Sortez-la de votre vie. Très belle parole. Dernière, je donne la parole, la dernière question à iPhone. Allez-y, vous avez la parole. Salam alaikum, vous m'entendez? Oui. Très bien, allez-y, monsieur. Oui, salam alaikum, c'est Sliman. C'est Anwar de Luxembourg. Nous avons eu l'occasion de nous parler déjà il y a quelques années. Et je voulais revenir sur la question du Ibn. On n'entend pas très bien, c'est bien. On n'entend pas très bien. Bon, est-ce que là, comme ça, c'est mieux ou... C'est meilleur. C'est mieux, là. Allez-y, votre question, allô, s'il vous plaît. Oui, votre question, s'il vous plaît. Oui. Oui, alors, je voulais poser la question sur le Ibn, en fait. Hein, et donc, quand on chemine sur la voie spirituelle, la tradition soufie, elle nous enseigne que le maître, des fois, il y a des maîtres d'éducation qui vous donnent des autorisations pour faire certaines choses. Je pense à, par exemple, faire des retraites spirituelles ou bien invoquer certains noms. Ce sont des choses qui ne se font pas normalement sans prudence et sans in. Donc, je voulais simplement que Sliman, peut-être, il nous clarifie un peu cette question. Est-ce que la relation maître à disciple n'a aucun intérêt, n'existe pas? Voilà, c'est un peu cette question-là que je souhaitais poser. D'accord. Alors, bien sûr qu'elle a un intérêt, cette relation. Merci, bien entendu qu'elle a une relation. Un shir, mais encore faut-il que ce soit un shir. Pas parce qu'on a un turban, une belle barbe, qu'on a un shir. Mais bon, encore une fois, oui, bien sûr que ça a un intérêt, mais quand on replace les choses dans leur cadre, par exemple, quand on parle de rattachement, le premier acte d'entrée réelle dans une voie. Aujourd'hui, on voit par exemple, la grande majorité dans le soufisme, quand ils se rattachent, c'est « je me suis rattaché à shir un tel ». Il n'y a rien de plus faux. Que nous dit le Coran sur le verset du rattachement ?« Inna alladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah ». Si on se rattache, c'est à Allah, c'est à personne d'autre. Donc déjà ça, c'est une erreur. Deux, l'idn. Le idn, ça dépend pourquoi. Pour ce qui touche au fait humain en soi, que ce soit la salat, le dhikr, le jeûne, la khalwa, le, etc. En fait, Allah nous a donné déjà les autorisations. Pourquoi est-ce qu'on fait appel à un shir? On fait appel à un shir parce qu'on estime que lui a déjà fait tout ça avant nous, qu'il connaît les choses mieux que nous, qu'il va pouvoir nous aider, nous conseiller, nous, etc. Mais en soi, aujourd'hui, la notion du idn, elle a été complètement dévoyée. Il faut un idn pour tout aujourd'hui. Pour partir en vacances, il faut un idn. Je vais acheter une voiture, il faut un idn. Mon fils, il veut ouvrir un kebab, il faut un idn. Il faut un idn pour tout et tout. Je vous disais l'autre fois, pour faire des salats à l'Ennabi, quel est le shirk qui vous a donné l'autorisation? Subhanallah. De qui dois-je attendre une autorisation? Que j'attende une aide, un conseil, oui. Mais une autorisation, en quoi et pourquoi? Et si je veux me passer de son autorisation, qui va m'en empêcher? Personne. Celui qui donne les autorisations, c'est Allah. Bi-idhnihi. Qui peut donner une autorisation de manière générale? Qui peut donner une autorisation? Ce qu'il faut, c'est réfléchir en mathématicien. Qui peut donner une autorisation? Par exemple, vous êtes chez vous. Quelqu'un vient, tape à la porte pour entrer chez vous. Qui peut l'autoriser à rentrer chez vous? Vous. Qui d'autre que vous peut l'autoriser à rentrer chez vous? Personne. Or, qui peut autoriser les choses qui appartiennent à Allah, si ce n'est Allah? Que ce soit dans les fonctions, que ce soit dans les méthodes, que ce soit dans les dhikrs, que ce soit dans ce qu'on fait, c'est le idn, il est à Allah. Le idn humain relève de ce qui est transmis humainement. Et quant à la transmission humaine, elle est là pour vous aider, elle n'est pas là réellement pour vous donner des idn ou quoi que ce soit.
Oui, vous prenez du sport, par exemple. Bon, le sport, on peut s'inscrire à un sport et on peut en faire un peu n'importe comment et on peut se blesser. Donc, en soi, l'entraîneur de sport, en quoi est-il important ? Il n'est pas important pour me donner l'autorisation de faire du sport. Je n'ai pas besoin de lui pour avoir l'autorisation de faire du sport. Si j'ai besoin de lui, c'est pour me conseiller, pour me dire « commence par ça ». Là, fais attention, fais à petite dose. Là, pense à faire un échauffement avant. Là, attention, comme ça, ne va pas te blesser. Là, toi, tu vas pouvoir progresser si tu fais ça. Là, oui, il est utile. Il va pouvoir me conseiller, me guider, m'aider, empêcher de me blesser, etc., etc. Mais il n'est pas là pour m'autoriser. Celui qui m'autorise, c'est Allah. Qui m'a donné la vie, c'est Allah. Qui m'autorise à vivre, c'est Allah. J'ai besoin de l'autorisation de personne pour vivre. Quand je me suis marié et que j'ai fait des gosses, j'ai demandé l'autorisation à qui? Or, ça, c'est quand même un peu plus important que d'aller faire du dicle ou de quoi que ce soit. On vient de donner vie à un être humain. On va devoir s'en charger toute la vie. Là, on a demandé l'autorisation à quelqu'un, là? Ben, rien du tout. Pourquoi? Parce que l'autorisation, on l'a d'en haut. Quand Allah met notre système hormonal en marche, il vient de nous donner l'autorisation de nous reproduire, c'est tout. Le idn, il est en nous. On n'attend pas d'humain ce qui vient du divin. Dieu, de l'humain, on peut attendre de l'aide, on peut attendre du conseil, on peut attendre de la guidance, mais pas spécialement d'autorisation. Surtout pour faire du dhikr. Merci infiniment. C'était la dernière question et c'était la dernière réponse. C'est Slimane, c'était une très très belle conférence. Les commentaires attestent. Nous restons tout le temps sur notre faim avec vous. C'est bien. La satiété est une qualité reconnue. En tout cas, on a compris que l'amour de Dieu est en nous et qu'il fallait donner du sens à nos actes et qu'il fallait comprendre les choses. Et en comprenant les choses, quand on passera à l'action, ça sera bien fait parce que c'était bien réfléchi. Inch'Allah, mahabbatullah wa mahabbat al-rasoul. Voilà, et si on rencontre quelqu'un qui nous traite d'imbécile dans la rue, on sait qu'est-ce qu'il faudra faire la prochaine fois. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, vous savez, on finira là-dessus, c'est une histoire de l'imam Sidi Ali Zain al-Abidine, qui était le fils de Sidi Hussein. Et un jour, quelqu'un, il passe dans la rue, puis quelqu'un l'insulte justement de nom d'oiseau, quoi, espèce d'imbécile, espèce de... Et il s'est tourné vers lui, il lui a dit... Bon, bah, ça va, heureusement que tu ne sais pas tout sur moi, sinon tu dirais bien pire. Et puis l'autre, il s'est mis à rire avec lui, et puis du coup, ils ont fini amis. Merci à tous. Alors, j'ai une participante qui me demande le livre de Guéno, M. Guéno, pour pouvoir l'acheter, pour pouvoir le lire. Sur le Yadoul El-Bab Loub. Ah non, Oulel El-Bab, ce dont j'ai parlé, là, c'est alors de Hakim Termidi et de Guénon, c'est l'homme et son devenir selon le Vedanta. D'accord, c'est noté. On vous remercie vivement. Merci beaucoup à vous. J'espère qu'on vous reverra très très bientôt, j'en suis certain. Allah Jazik Bekhir, franchement, c'était fort, intense et surtout... très utile pour nos âmes. C'est Slimane, Jazakallah khairan. J'espère que Dieu vous agréera au sein de son paradis ainsi que tous les participants. Amin. Uhibbukum fillah. Merci les amis. Alors pour les gens qui posent la question où est-ce qu'ils peuvent trouver l'enregistrement, il est déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. La chaîne s'appelle Nour al-Khair. Aujourd'hui, voilà, on a reçu la lumière divine, Norman Sisliman, qui va nous pousser à faire le khair, le bien autour de nous. Merci à amin, tous et à amin, bientôt. Amin. Inch'Allah, barakallahu fikoum. Allah y nourakoum. Ma'a salama. Merci.